Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Et nous avions même conquis le ciel. Kaboum. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Tu te souviens ? Moi aussi je me souviens. Remember ? C'est très propre. Putain, déjà que la cinématique du début m'avait filé les poils, et là j'ai re les poils. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Espoir. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. La guerre ne meurt jamais. Dans les tunnels qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Oh, j'avais oublié votre cri, vous. J'avais oublié votre cri. Mais je me souviens que nous sommes nés pour PTSD. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot. C'est hyper bien trouvé, l'info. S'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. C'est hyper bien trouvé. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. C'est le dernier de la saga, celui-ci, des métros. Ouais, tout à fait, Wallan. Tout à fait. Alors. Trop hypé, j'ai trop envie de jouer, tu sais. Plein de gargouilles. PTSD encore. J'ai les flashs qui reviennent. On commence dehors, direct. Allez. Allez. Ah, c'est cool. Ok. C'est une mine, ça? Non, c'est un truc d'égout. Ah, shit, Artyom.
Here we go again. C'est quoi ces créatures cheloues? C'est des créatures... C'est à cause de la radiation. Les animaux ont muté. Donc c'est des mutants. Ok. Ma sensibilité est basse. D'habitude, elle est haute. Mais là, elle est basse. Ça mérite bien 2 en plus. Ouais. Ok. Je vais toujours au mauvais endroit. Alors, j'ai des armes ou pas? Non, j'ai juste ce gun. J'ai ma montre. Qui m'indique... Je sais pas quoi. Salut les gars. Bon, alors... C'est le didacticiel, hein. Briquet, ça doit être lighter. Allez, dégage. Ça sert à rien, mais c'est cool. Les petits chats. Ah, je t'ai vu. Pas des munitions. Ok. Il y a mon compteur GGR qui danse la polka un petit peu. Vas-y, dégage. Oh la vache! C'est quoi cette merde? Dégage! Ah, c'était une araignée mutante! Ok, coup de feu. Quelle ambiance, c'est cool. Hein. Donc du coup, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il a pas la même montre qu'avant, Artyom. C'est ça qui me fait bloquer. Je peux encore faire ça ou pas? Oui, je peux encore faire ça. Ça sert à rien, mais c'est trop cool. Allez, dégagez. Dégagez, sale insecte. Ah la vache! Putain, des patates de forêt! Ok. Ok. Oupsi doupsi. Une hache. PTSD. Merde. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. C'est pas possible. Ok. La fuite semble une option envisageable. Allez, allez. Allez, Artyom. Artyom. Dégage. Oh la vache. Bon. Tu passes un mauvais moment. Il est tout seul avec son couteau. Merci les copains. Ils ont encore plus une sale gueule qu'avant. Salut les gars. Mes oreilles. Ils reviennent. Écoutez-moi. Oh, regarde.
Vous avez pas des balles, les gars? J'ai plus de balles. Il l'a poussé, tu sais. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu les docteurs. Il l'a... Ouvre! En avant! Bon bah ça met dans l'ambiance hein, dès le début. Artyom se fait bolosser. On dirait qu'Artyom s'est encore fait une balade kamikaze à la surface. Est-ce que j'ai déjà fait le jeu? Non, j'ai jamais fait le jeu. J'ai fait les deux premiers, mais jamais Exodus. Attends une seconde. On va où là? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé le commissaire. Il a dit qu'il arrivait demain. Hey, ah mais je peux bouger la tête hein. Bah laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon comment il pourrait survivre dans ce trou? Un bout là-dedans. Tiens le coup Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Du sang. J'avais oublié qu'en Ranger, comme il n'y a plus d'interface, tu rates facilement les munitions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je sais pas si au début il y en avait. En vrai, j'ai pas spoté d'endroit qui avait des munitions. C'est pour ça que je regardais bien partout. Mais je pense que c'était volontaire justement le fait qu'il y ait pas de munitions pour que tu puisses courir. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Ah non, elle était dans le 2, non? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Et des nazis. Il y a quand même pas mal de nazis aussi. Salut, hein. Alex. Te voilà, crétin entêté. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Ah, on est mariés? Ok. Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là... Il reste qui? Les nazis. Et les communistes. Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Ok, c'était la dernière, je retourne plus à la surface. Désolé, Anna. Ma femme, du coup, il faut que je joue RP. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Désolé, les gars, putain, vous m'en voulez de ouf. Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Good story, bro. Alors, comme on joue en Ranger. Ok. Ah, donc ça a pas changé. Dossier du patient. Artyom. J'arrête de massacrer le russe. Admis, sérieusement, c'est la troisième fois. Diagnostic, rechute du syndrome d'irradiation. Forme légère, dose. Ok, traitement, transfusion sanguine. Ok. Très bien. Mais tu vois, je suis quand même avec une interface qui me dit que je peux faire des trucs. Hein. Malheureusement, c'est leur travail. Travail ou pas, s'ils continuent comme ça. Ah les gars, vous m'en voulez vous aussi? Artyom. Oui. Essaie de faire un peu plus attention, d'accord? Désolé. Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Alors à quoi ça servirait de les contacter? Et puis je me souviens qu'on recevait des signaux de l'extérieur assez souvent, juste après les bombardements. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ça ne veut rien dire pour toi? Enfin, c'est ta vie, après tout.
Artyom, je comprends ce que tu ressens, mais tu ne vas pas toujours pouvoir sauver le métro à toi tout seul. Je me fais bouli de ouf. Pourquoi tu t'acharnes à chercher une solution sans aide? Bah, tes amis de l'ordre sont encore venus à ton secours. Le colonel a l'air de vouloir te réintégrer. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici? Putain, ou à chercher des fantômes là dehors? Vous êtes ligués contre moi. Si Sparte voulait de moi, je m'engagerai dans la seconde. Enfin, en tout cas, bonne chance, Artyom. Ok, ils sont cool, mais ils me boulient un peu quand même. Travaille ou pas, si tu continues. Salut. Comme ça. Tu vas me boulier toi aussi? Oncle Artyom, t'inquiète pas, je te crois à moi. Tu m'emmèneras quand t'auras trouvé un endroit sain. Si tu continues de tousser, non, je t'emmènerai pas. Ouais. Je crois pas que je vais t'emmener, mon petit bonhomme. Artyom, arrête de lui mettre ses idées dans le crâne. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ces bêtises. Je me fais bouli. C'est censé le réconforter. S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Ok, désolé. Ça, quoi? Putain, vis ma vie de victime, quoi. Ah ah! Vas-y, je vais voler cette carte postale. C'est à moi maintenant. Et du coup, j'ai un inventaire ou pas? Carte postale. Ok, c'était chouette avant. Salut! Vous voulez me faire bouli encore? Oh, j'en crois pas mes yeux! Artyom, tu vas bien? Bouge de là, tu! Une sacrée trouille! Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place! Hé, hey, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Je suis marié, mec! Et comment, les toujours aussi obsédé! Laissez-le respirer! Bon retour parmi nous, Artyom. Salut. Allez, top ça, mec. Okay, c'est bon. Je lui ai mis un vent. Vous avez 2 heures. Je t'ai mis un vent. Ouais. Ah, c'est officiel. J'en étais sûr. Mais bouge, j'ai apporté quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Bon, situation initiale, ok. Où est mon élément perturbateur? Là, tout va bien, tu vois. Il faut forcément qu'il y ait un élément perturbateur. Une semaine plus tard... Il est retourné à la surface. Quel gros connard. Bien joué, Artyom. C'est comme ça qu'on t'aime. Et toujours rien, Artyom. Tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. J'ai emmené ma femme en plus. C'est vraiment du génie. Ah oui. Et il y a aussi ces maudites saletés. Sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. Ok, tu casses l'ambiance un peu, Anna. Anna! Anna, reviens. Anna, Anna, on peut parler quand même. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Ok, Anna. Anne-moi ça. Change de filtre. T'as passé assez de temps à l'infirmerie comme ça. Ok. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation, chérie. Bon sang. Mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Tic-tac, 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 tic-tac. Deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Du coup, ça, c'est les minutes. Visiter toutes ces ruines. C'est les minutes de mon filtre. J'ai entendu des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. La ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Attends, Anna, je visite un peu. Y'a peut-être du loot. Anna, tu connais mon problème pour le loot. Anna. Anna. Anna, reviens, ne me quitte pas. Anna. J'ai dû faire fuir un démon. Il prenait un peu trop ses ailes. Anna, je suis désolé, y'avait du loot. Anna. Ne me quitte pas. On peut s'oublier.
t'arrive, Anna. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Un appart à police ? Parce que si on n'est plus là, il reste qui ? Je sais pas, Anna. Un appart avec une cuisine et une douche. Si je tire dans sa bouteille, tu crois qu'elle explose ? Passons chez toi, c'est pas assez stable. Attention. Quoi ? Attends, Anna, je profite du paysage, Anna. Oh, je crois qu'on est tiré d'affaire. Tu crois, Anna ? Oh, t'as entendu ? Est-ce que l'élément perturbateur, ça va pas être que ma femme meure ? J'ai rien entendu, Anna. T'as entendu ? Ok, là, j'ai entendu. Allez, dans les chiottes. Attends. Anna! Non, Anna! Fuck, il m'a touché. Hein. Anna, il m'a touché! Tout va bien? Tut! Quoi, ils tu. Ils vont nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Ça bip? Quand ça bip, il faut que je change de filtre. Je sais, je connais pas le nouveau. Non, je suis à 40 secondes. J'arrive, Anna. J'arrive, Anna. Je me familiarise avec le jeu. Allez, let's go. Anna. T'es où ? T'es parti sans moi ? Putain, il y a du loot. Je peux passer par là. Mais elle est où ? T'es où, Anna ? J'ai perdu ma femme. Ça m'a fait peur ! Anna ! 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Hip ! Changer de filtre ? Ok, on change de filtre. Ah, j'avais loupé du loot. J'ai chopé une lettre. Message de Shura, huile végétale. 1 litre, clava du bureau principal, ma bague. C'est une liste de courses. Hein. Ah non, c'est pas une liste de courses. Si. Je crois qu'elle vend sa bague et ses boucles d'oreilles pour avoir de la bouffe. Tu entends ? C'est une meute. Manquez plus que ça. Oui, Anna. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Personne ne s'aime dans ce monde. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Tu t'es trompé de jeu ici, c'est métro, c'est pas stalker. Stop. Ah la vache ! La meute est là. Bon, est-ce qu'on se la joue façon Thermopyle ? Ou est-ce qu'on les laisse passer ? On les laisse passer de ouf, Anna. Ne bouge pas. Je dirais qu'il y en a plus. Heureusement qu'ils nous ont pas remarqué. Ils étaient nombreux. Ouh, c'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... Ça manque de bagarre, Anna. On fait pas beaucoup de sorties en couple. J'aime bien nos sorties en couple, Anna. Il y en a qui vont au resto. Nous, on fait la bagarre. Il y a une gargouille. Et si on prenait le pont pour traverser la voie ferrée, Ça nous éviterait un détour. C'est le merdier, hein, ça neige. Hein. C'est trop haut. Oui, on se fait la course. Aide-moi à monter. J'arrive. Et salut, Angelus. Bienvenue à toi. Merci copine. Un rugissement ? Ça c'est ce que j'appelle un blizzard. De ouf. J'y vois rien. J'entends rien non plus. On passe en liaison radio.
Artyom, tu vois ce que je vois ? C'est pas moi qui délire, hein ? Non. Snowpiercer. Un train ! Bordel, un train à la surface ! Mais d'où il... Élément perturbateur. Tu vois que j'étais pas fou, Anna ? Tu vois que j'étais pas fou ? Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom ? On essaie de le rattraper ? À pied ? Regarde, c'est les gars de l'ordre. On dirait qu'ils poursuivent aussi le train. Rejoignons-les. Let's go. Montez. Oh la vache. Putain. Un bel accueil. Dû vérifier avant, connard. Oh, Artyom, tu n'as rien. C'est votre faute, ces gens, là. Ils sont de Hanza, pas de l'ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Ils se passent dans votre tas de ruines. C'est ça, Moscou. C'est ça, Moscou. Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors ? Pourquoi il n'y en a pas ? Tu vois, je suis pas fou. Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. Voilà, arrêtez de me bolosse maintenant. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah ça alors, il faut qu'on prévienne tout le métro. Ouais mais d'abord on va tous les tuer eux là. La vieille le gosse dehors. La vieille le gosse dehors, hey. C'est nous. Vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Ça les gênera pas. Mais non mais... Rendez-leur au moins leur masque. Non vous allez... Vas-y attaque. Non ! Putain de chien ! Ah la vache ! Et on va commencer dans un charnier. L'idiot, il aurait pu survivre. On y va ! Pourquoi ils ont tué ces pauvres types ? Ils leur avaient rien fait ! Un masque, vite, un masque. Ok. Bon. Bon. Alors, je suis un peu dans la merde. J'ai pas d'armes. J'ai mal. Là, il y a un truc de heal, je crois. Je te reconnais. Je te reconnais, t'es un truc de heal, toi. Oui. Vas-y, une petite seringue. Une petite picouse ou quoi ? Ça fait du bien par où ça passe. Coolos. Il y avait le train, non ? Il y a le train. Il y a le train qui a arrêté. Oui, oui, il est là. Ah, attendez-moi, les gars ! Après, ils sont peut-être pas cool aussi. Oh là là là. Oh là 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 là. Et salut Papy Trifon, bienvenue à toi. Alors.
Ouais, on va se péter une cheville. Ok, plus besoin de masque. Mais. J'ai plus du tout d'équipement. J'ai même pas de lampe torche, quoi. Vas-y, du loot. Ces foutures leurs sont passées. Faire descendre en train de surveiller un endroit comme ça. Garde ton arme braquée sur l'ouverture. Wow. Ok, super, ça s'ouvre pas. C'est quoi ce bruit? Oh merde! Attention, la plaque tournante se met en marche. Ils m'ont pas vu, ils sont trop cons. Faudrait que j'en exécute un et que j'y récupère son matos. C'est la pire cellule du monde, mec. Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries. Ok? Des animaux. Salut mec. Comment ils peuvent? Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur. Mais non. J'ai une sale gueule, mais quand même. Un humain. Mais comment? Oh bon sang, c'est ton nom qu'elle crie. Ouais, mais c'est dans l'intimité, donc... Vivant. Tu es venu pour elle? Très bien. Je vais t'aider. Merci, mec. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Ok. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Il m'a pas attendu. Ils ont pas fini de réparer les générateurs, sergent. Il est là. Déplace-toi, accroupi, c'est plus discret. Le voilà redevenu poli, Hermann. Reste près du mur. Ok. Hermann, c'est toi? Qu'est-ce que tu m'arrases? Viens là et aide-moi à réparer le truc. À vos ordres, j'arrive tout de suite. Ok, il a fait diversion. C'est un goût de bro. Pourquoi il parle pas, Arthur? Je crois qu'il est muet. Je crois que c'est justifié par le fait qu'il est muet. Ok, je suis obligé de faire de l'infiltration. Et on sait tous que c'est mon truc préféré. Tu vas devoir t'occuper de lui. Ok. Tu peux le faire en silence? Ouais. Au fait, il est arrivé quoi aux ouvriers qui sont envoyés pour réparer? Je peux. Ouais, la vieille. Éteins la lumière. Oui. Attends, y'a du loot. Allons-y. Tu peux pas le looter? Ah non, il est pas muet, c'était sa voix dans le pitch attends, d'intro. Attends, c'est juste qu'il parle pas en fait. Attends. Quoi? Il regarde par ici et il faut qu'on atteigne cette porte. Essaie de faire diversion. Regarde, il y a des ordures. Essaie d'en jeter.
Ah. Parfait. Maintenant, jette-la. Où ça? Comment? J'espère que le bruit va attirer son attention. Comment je fais? Bravo. Ok, let's go. Allons-y, bien. Passe, allez. Hey, quoi? Bonne chance. Salut mec, je vais aller sauver ma femme. Péter la porte. Parce que vous les avez tous tués ici. Des femmes, des enfants, mon père. Tu crois peut-être qu'il n'est pas au courant? Tu crois que ton père sait pas tout? Il entraîne nos hommes. Personne ne pourrait être mieux que lui. Vous croyez quoi? C'est quoi cet endroit qui tourne? Pourquoi avoir tué mon Artyom? Pourquoi? Je suis pas mort. On vous aurait mis en laisse et vendu à l'ennemi. Et il a fallu que cet idiot pour sauver là-dedans. Pourquoi, hein? Tu ferais mieux de la fermer si tu veux pas une balle, toi aussi. Tu parles pas comme ça à ma femme. Ça c'est l'infiltration. Voilà. C'est comme ça qu'on aime l'infiltration. C'est pas vrai. Tu es vivant. Gros câlin. Gros câlin. Tu es blessé. L'insigne de Hunter. Oh, il a arrêté la balle. Ah la vache. Prends ça. Alors ça c'est de la... ça c'est de l'infiltration. Ne bouge plus. Attention, unité de contrôle endommagée. Abruti, on est en guerre. Vous mériteriez de crever plusieurs fois. C'est quoi cet équipement? Ça. C'est un brouilleur de signal radio universel. Quoi? Ça empêche... Attends, il y a du loot. En réponse à votre demande du 23 mars, je vous indique que le nombre de personnes affectées à la station de brouillage du périmètre externe était au 1er février de 4786, dont 3857 gardes spéciaux nécessitant une protection individuelle plus importante, 723 ouvriers de maintenance et 206 cadres et officiers. Ok. Moscou d'entendre Dick ce soir, et les autres de nous entendre. Merde! Ça empêche les gens de nous entendre, mais en fait on est plein. Tu as entendu, Artyom? Bah oui, c'est pour ça qu'on les entendait pas. Regarde, il y a plus personne en France. Depuis le début. Si. Tu te rends compte? On est encore vivant en France. Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi? Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde et vice-versa? Parce que la guerre n'est pas terminée et vous vous comportez comme des gamins. Et merci El Tigre Zino pour le resub des 8 mois. Merci beaucoup. Ah voilà. Tous les gardes seront bientôt là. Non, tu crois? Mais... tu n'es pas. Je suis avec lui. Tom, vous. Il faut filer. Oui, oui, oui. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Un petit silencieux. Il faut qu'on sorte de là avant qu'il récupère. Et mon couteau. Préparez-vous, les gars. Les gars. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Ok, discretos. Allons-y. Alors, je sais pas... Qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Fiez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Merci mec, t'es trop cool. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. Andrei Ivanovitch. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Du coup, est-ce que le système de moralité fait que moins je tue de gens, plus je suis good guy? Après, j'aime vraiment quand même faire du FPS. Hein. Je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. C'est le truc Ouais, c'est ça. Passe trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, ils pourraient la voir. Ok, copine.
Ils sont pleins, ouais. Ils sont pleins, ouais. Ok, passe, mec. Merde. Merde. Bon, c'était moche. C'était super moche. N'allume pas ta lampe de poche, il pourrait la voir. Bon, j'avais oublié que j'étais en ranger. En ranger, ça déconne zéro. Une balle, un mort. Cette partie est très dure en ranger hardcore. Ok. Tant mieux. C'est encore plus dur que dans le 2. Enfin, dans le premier et dans le deuxième, il me ouest, quoi. N'allume pas ta lampe de poche. Ah ouais. Ah ouais. Ça déconne zéro. Les balles, c'est des balles, hein. Artyom, en voilà. Ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Ah ouais. C'est bon ? Oh putain la vache ! Attention ! Le centre de commandement a subi une attaque ennemie. Les attaquants sont probablement encore dans l'enceinte de la base. Artyom ! Toute personne étrangère au service doit être abattue immédiatement. Les déplacements du personnel civil sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Attention, le système de brouillage est en cours de réactivation. Quoi ? Quoi ? N'allume pas ta lampe de poche. Oui, ça va, laisse-moi tranquille. Mais j'ai si peu de vie. Une balle et je suis mort. Faut peut-être que je me heal. Non, je peux même pas me heal. Donc du coup, c'est vraiment que j'ai pas de vie. Ok. On va essayer de faire ça propre. Allez, let's go. En vrai, la stratégie était bonne, non ? Attention, le centre de commandement a subi une attaque ennemie. Les attaquants sont probablement encore dans l'enceinte de la base. Artyom, je change de position. Toute personne étrangère au service doit être abattue immédiatement. Les attaquants du personnel civil sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Attention. Le système de brouillage est en cours de réactivation. Bien joué, je suis presque arrivé au hangar. Putain, la vache! Comment c'est dur? Comment c'est dur? Après, je peux peut-être sauvegarder. N'allume pas ta lampe de poche. En vrai, je peux peut-être sauvegarder quand je veux. Et donc, du coup, si je fais un F5, ça sauve. Je me souviens plus des commandes. F5, sauvegarde rapide. Ouais, bah ouais, je vais faire du F5, hein. On va faire du F5 de ouf, hein.
Décidément, pire chemin. C'est le pire chemin ? Pour moi, ça a l'air cool, non ? Sinon, peut-être tout droit ? Peut-être tout droit. Mais non, tout droit, c'est mort. Oh fuck. Oh, y'a une tour. Une tour. Il sait que je suis là. Il sait que je suis. Je peux pas tirer, ils vont savoir où je suis. Allez, la pire opération d'infiltration possible. Pour l'instant, tout va bien. Ok, fais le boulot. Merde. Ça passe tranquillos. C'est un miracle que je sois pas encore mort. Il y a un pur chemin là en fait. Ok. Artyom, le hangar est juste là. On pourrait passer en force. Un point. Allez, go. Go. C'est passé. Vraiment, c'est un braquage. C'est vraiment un braquage. Anna, on a braqué. Hein. C'est un hold-up. C'est quoi R? Attends, je peux faire un truc? Ok, je prends ses munitions en fait. C'est vraiment un braquage de ouf, hein. Alors, à tous les membres de la garde spéciale du projet Bouclier, ces dernières années, nous avons observé une nette augmentation du nombre de tentatives d'intrusion de la part d'espions et d'agents ennemis aux caractéristiques jusqu'ici peu courantes. Femmes, personnes âgées, adolescents. Cela prouve sans aucun doute l'efficacité des défenses mise en place par la garde spéciale, puisqu'elle ne laisse aucune chance à l'ennemi d'atteindre ses objectifs, cartographier notre périmètre et le saboter en employant les méthodes habituelles. Pour cette raison, tous les membres de la garde spéciale doivent effectuer leurs devoirs de façon responsable et ne jamais manquer d'appliquer les mesures nécessaires à l'encontre de tous les agents ennemis capturés. N'oubliez pas que l'ennemi est ingénieux et sournois et assez désespéré pour envoyer ses dernières forces au combat. Néanmoins, ses ressources sont encore importantes, mais une bête acculée n'en est que plus dangereuse. Ok, on a shinobisé de ouf, je suis super content. Donc j'ai deux chemins, soit je peux prendre cette porte, soit je peux passer par là, mais là c'était... Moi j'ai l'impression que ça c'est un bonus. Attends. Ah mais si, je reviens ici en fait. Ok, il y avait un chemin bien plus cool. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y avait un chemin bien plus cool. Hop, dans l'obscurité. Ok. Ouais. Il faut qu'on se Qu'on fasse quoi, tu vois? Ils sont 1000. Je vais faire diversion pendant que tu sauves le vieux. J'ai save déjà. Artyom,
cette échelle là. Ok, let's go. Groupe A, au rapport. Ok, il est seul tout lui. Groupe B, continuez à patrouiller dans la cour et la salle des générateurs. Groupe A, vérifiez le secteur. Merde. Repéré, non, ils m'ont pas repéré, t'inquiète. T'inquiète, chérie. Oh putain. Oh putain. Ok, ok, on va rester dans l'ombre. Oh putain, ça passe, j'y crois pas. Allez, avance Artyom. Je vais bien, tout va bien. Non, j'ai sauvegardé. Oh putain, shit! Ça passera jamais! Ah! Ok, je suis où? Je suis là. Cool. Artyom, essaie de descendre par cette échelle. Ouais. Au rapport. Ninja. Groupe B, continuez à patrouiller dans la cour et la salle des générateurs. Groupe A, vérifiez le secteur. Ok, les dégâts de chute. La communication a été perdue là-bas. Les dégâts de chute font très très mal. Redéployez-vous sur la salle des générateurs. Ah, tu peux avancer discrètement. Pas besoin de jouer les héros aujourd'hui. Attendons qu'ils s'en aillent. Ok, mais là, ça passera jamais. J'ai aucune visibilité sur ce qu'il y a derrière moi. Pourquoi tu veux faire ça maintenant? Ok, c'est passé. Et à tous les coups, elle va être annulée. Ok. Non, pas par là, mec. Rien, comme si c'était une surprise. Hé, où est cette pourriture? Oh putain. Normalement, j'ai save, mais je crois qu'en fait, je crois pas que ça fonctionne. Et merci Zokia, merci beaucoup pour le resub des 8 mois. Ouais, ça fonctionne pas. Il faut qu'on se rapproche. C'est son premier que je bats. Si tu te rapproches, je vais faire discrétion pendant que tu sauves le vieux. C'est dur, mets tes lunettes pour mieux viser. J'avoue, j'ai paniqué, je l'ai tiré complètement à 10 mètres à côté de lui, tu vois. C'est quoi ce mot? Groupe B, continuez à patrouiller dans la cour et la salle des générateurs. Groupe A, vérifiez le secteur des éoliennes. La communication a été perdue là-bas. Ils ont combien de gardes? Ok, là ça passe. Groupe B, redéployez-vous sur la salle des générateurs. Ah, tu peux avancer discrètement. Pas besoin de jouer les héros pour changer. Attendons que tu s'en ailles. Vous allez préparer le train à ma place. C'est quoi ça? Ah, je vais voir de plus près. Oh la vache! Tu l'aurais dit, c'est rien. C'est quoi ça? Ouais, bah ouais, retourne-toi, mec! Retourne-toi, mec! Non, là, je vois ta lampe!
Personne ici. Perso, ça. Qu'est-ce que je suis content de voir. Pas grave, hein. C'est pas grave pour sa tête, on s'en fout. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Je voulais faire une bonne action, pas le tuer, mais bon. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Ok, ça s'arrête jamais. Et surtout, fais bien attention, on risque de voir toute la base. On risque d'avoir toute la base au cul. Super. D'autres gars, à toi. Ok. Phase de bagarre. Ok, faut que je joue beaucoup plus safe, hein. Ça, il prend énormément plus de dégâts qu'avant, Artyom. Pourquoi j'ai pas mon arme? Ok, j'ai mon arme. Ça va, chérie? Ça va, chérie, ou quoi? Il est où? Ok, let's go. Active la plaque tournante. Ok, attends, je loot, chérie. Chérie! Vas-y, filme-moi tout, tu sais. Ok. Ah, fuck. Attends, c'est des bonbonnes de gaz, ça. Oh, on fait tout péter, chaton, hein. Quel merdier! Non! Anna! C'était violent. Est-ce que ça va? Encore de la bagarre? Ah la vache! Dégage ta tête! Friendly fire! Ok, on se heal. T'es où, chaton? Tu tires sur qui? Indique-moi où ils sont! Chaton! Ok, nice! Où? J'arrive. On va le faire ensemble. On fait quoi? On monte dans le train? Là, ils sont trop. Oui. Oui. Ils ont fait un check de couple. Ils ont fait un check de couple. Non. On n'a pas réussi. Flashbang, ça va péter. Mais là, on va se faire exécuter. Bah oui. Quant au conducteur, ça, appelle-les.
On ne discute pas mes dents, soldats. Voyons. On va bien voir ce que le colonel pense de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa, les gars, c'est nous. Aidez-nous. Anna, mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu parles d'une surprise. Colonel, ce sera la cour martiale pour chacun d'entre vous. Très bien, tout le monde la ferme. J'arrive pas à y croire. Mortel. Merde. Alors c'est vrai? Tu travailles pour eux? Tais-toi! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous n'avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Sans les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier, des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin, sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Oui, tu crois? Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir. Salut, de la ville avant. Bienvenue à toi. Complique. Mais vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est pas moi du à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr. Artyom, Anna, l'ordre sont des nôtres. Personne. Moi, où la VF est mauvaise? Ouais, je la trouve un peu mauvaise, ouais. Si c'est pas nous, qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Bah non. C'est une zone irradiée, on va pas prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Alors que tu te faisais irradier à la surface, mon père enchaînait les mensonges. Oula, oula. Envers toi et moi. Elle va passer du côté obscur. Parce que... Oh la vache. Arrêtez immédiatement la locomotive et sortez les mains en l'air. Séquence de bagarre ou quoi? Oula la la. Ils ont trop d'armes. C'était un avertissement. Si vous n'obéissez pas, nous tirerons à vue. Merde, mais c'est un sacré verdage. Et t'as vu toutes ces mitrailleuses? Oui, bah je sais pas comment on va faire là. C'est bien ce que t'espérais. Tu oses l'accuser. Tu étais au courant. Merde. C'était le dernier avertissement. Arrêtez immédiatement la locomotive. Oh merde. T'es blessé? Non. Trois fois rien. D'accord. Il faut leur faire croire qu'on va se rendre. Oui, ah, c'est... enfin, un peu de bon sens. Allez, prenez, je vais vous arrêter. Ok, ils veulent faire une technique de shinobi. Ils ne leur feraient pas grand chose, alors. Même si elles sont à l'intérieur, on n'a pas assez. À moins qu'on balance tous nos explosifs dans leur chaudière. S'il vous plaît, laissez-moi m'en charger, mon colonel. C'est moi qui désigne les volontaires. Artyom va y aller. Ok, super. T'as vraiment envie de tuer ton gendre, toi. Parce qu'il y a un responsable de tout ça, et qu'il ferait bien d'y mettre un terme. Ouais, tu veux tuer ton gendre, en fait. Artyom, t'es bon à l'antique, tu sautes. Pendant ce temps, je fais cartilation. Le passé, vous, Yagan, c'est pas ouais, alors arrêtez vos conneries, Médic. Y'a nulle part où aller. Vous connaissez pas le coin. Putain, quelle mission à la con. On peut pas aller bien loin. Juste s'éloigner un peu, en attendant que l'agitation retombe. Et vous avez ouvert le feu. Si vous laissez libre, si on s'arrête. Je devrais vous mettre au arrêt et vous ramener pour votre procès. Comprenez bien de quoi vous êtes accusé. Désertion, trahison. Vous vous foutez de moi? Moi, un traître? Ça vous étonne? Vous allez où avec ce train, hein? Vous faites allez, une let's go. Malade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. T'es où? Vous
avez été achetés. Et vous filez en 300 mètres. Alors le verdict a déjà été prononcé. Ok, c'est là. On n'aura même pas droit à un procès. Arrêtez la merdier. Qu'est-ce que vous emportez? Plus tard, des plans des défenses. Vous voulez vous offrir une retraite au soleil en échange de nos vies pour vous compter? Des plans? Trahison! On vous a obéi pendant des années sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. Vendus! Ils nous ont détruits! C'est vous? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. Okay, okay. C'est pas question que je suis ça à des parasites comme vous. Infiltration style. Merde. J'espérais qu'on arriverait par là. Ok, let's go. Et Moscou, pour aller où? Y'a rien ailleurs. Merde, y'a plein de trucs ailleurs. Mais on est pas... Ok, rends-toi, mec. Fais une petite sieste. Ok, ça, c'était une bonne action. Il s'est rendu, je l'ai pas tué. Mais c'était pas par là. Ok, c'était pas par là. Ok, let's go. Putain, vous êtes 1000. Ok, let's go. Ça passe, ça? Le délai est écoulé, colonel Mendick. On se calme. On ralentit. Allez, moi, c'est en gars. Bon, mort. Pas de soucis, colonel. Mes hommes vont vous aider. Allez, mec. Allez, mec. On va pour... Je vois rien. Prépare-toi à freiner. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ah merde, je suis mal placé. Oh putain, la vache. Mais c'est Headshot qui met. C'est Headshot qui met. Ouais, ça va, hein. T'es passé? Ouais, file-moi tout. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, bouge. Oh, le mode Ranger, comment je vais galérer. Il a sauté. JPP, il a sauté. Mais il s'est fait écraser. Allez, Fast et Furious. Non, il y a de la neige partout. Boom. Oh ouais. Gros câlin. Tu mords deux fois. Mais j'ai chargé la partie. Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres. Et carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs GGR. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot.
Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Dans le verre, ça veut dire que c'est cool. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent. Et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Ok, ça veut dire qu'il n'y a plus d'irradiation. Ça, c'est trop bien, on va pouvoir visiter sans masque. Sale journée pour Artyom. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander... Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le verre, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Trop bien. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Il est relou, le beau papa. Toi, alors que tu es le commandant de l'ordre, tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. Voilà. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. What? Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Archium sorte avec sa radio et se prenne toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Mmh. On fait un petit village. Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux, cherche des transmissions émanant de l'Arche. Ok. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. Vas-y, de la musique. On a désactivé une station de brouillage, abattu des gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès pour l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Mmh. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Attention, bien attention sûr. Mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. Attends, c'était quoi ça? Écoutez-vous tous! Quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent? Ah, je l'ai! Alors, c'est quelque part par ici, le mont Yamantown. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif! Alors, c'est ça que tu avais en tête? Ouais, exactement! Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Oui. En fait, il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Ouais, direct. Excellente réaction. Quoi? Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Il y a des meufs ou quoi? Excellente réaction, soldat. Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Pendant un instant, j'ai cru que
que mes oreilles me... Et merci, Serious World, pour le resub des 8 mois, merci beaucoup. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein. On va picoler un... Ok. Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille, au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Va te faire voir. Ben, c'est mieux. C'est mieux, mieux. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi? Beaucoup mieux. Le vaisseau dans Subnautica, l'Aurora. Non, en plus, il finit bien. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Du vent à l'Aurora. À l'Aurora. On va se cracher sur 45-46B. Nickel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hé, hey, Artyom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant. Je crois que je vais profiter de l'air. C'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. C'est ce qui se passe avant Subnautica, j'avoue. Comment tu te sens, Anna? Alors. Oh, Anna, j'espérais une flèche pour un bidon. Il y a la place. Que j'ai fait. Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement dans l'histoire, j'ai pas fait exprès. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantau, si on y arrive. La carte fait d'après changer de Melnik, chapitre. Les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver et d'obtenir toutes nos réponses? J'ai loupé des trucs importants ou pas? Ou en vrai c'était juste du blabla, coolos? Parce que sinon je vais charger le chapitre. Mais j'ai pas fait exprès de passer avec la carte. Non, j'ai rien loupé. Ok. Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Merci pour la vodka. Alors, quelles sont nos chances d'arriver à Yamantau en vie? Le coucher de soleil, il est cool. Mon père n'a plus que ça en tête. Photo. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos... Le pont devrait plus être très loin. Ok. Bagarre ou quoi? Merde! Un feu de camp! Des gens! Il y a des gens! Des gens! Ils sont où? On nous tire dessus! Quatre types dans un chariot! Je les vois pas, mec. Tout le monde à son poste. Ok mec, merci de me dire ce que je dois faire. Tout va bien, Artyom? Coolos. Ils ont percé un piston. C'est grave? On peut avancer? Non, on est bloqué. Oh merde. Putain mec. Saleté brouillard. On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui j'avais? Ils avaient des uniformes? Non. Rien de déloc. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. On a tout cassé? Tranquille. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Merci, mec.
Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Ok. Anna, tu le couvres. Ah, j'ai enfin mon carnet. Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là se débrouillent en travers tout seul. Ok, je pars encore en mission avec ma meuf. Et du coup, j'ai ma carte. Ça, c'est cool. Artyom, ouais. N'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle. Un atelier mobile, pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. Le manuel est à l'intérieur. Okay. La maison ne fournit pas les matériaux de confection. Alors prends tout ce que tu trouveras. Y'a du craft ? Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. Wow ! T'en fais pas. Bon, bah, je crois que c'est tout. Bonne chance. Wow! En priorité, les produits chimiques. L'alcool, l'engrais, ce genre de trucs. Et, bien sûr, tout ce qui est en ferraille, comme les boulons ou les écrous. Récupère ces matériaux et tu pourras quasiment tout fabriquer. Ok. Ah, tu verras, le manuel est à l'intérieur. J'ai pas vu le manuel, mec, par Quant contre. Quant à savoir où chercher, à Moscou, je trouvais plein de trucs dans les nids des Nosalis. Quand ils chopent quelqu'un, ils rapportent souvent son corps pour nourrir leurs petits. Bon, pour l'instant, j'ai rien. C'est ça le manuel ? Ok. Et du coup, je pourrais fabriquer des trucs, mais là, par exemple, si j'essaie de fabriquer, il me manque... Ouais, ok. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai plein de trucs à looter, et... Bizarre. Vous me connaissez, je suis fou avec le loot. Je vais être super content. Et ces types, ils ressemblaient à tous sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. Salut, beau papa. Presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris ? Tu as entendu la cloche ? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. Je pense. On descend. Allez. Waouh ! C'était génial ! C'est pas ouf non plus, hein. Chaton, pas dingue. Hé, hey, qu'est-ce que c'était ? Je vais voir. Vais voir, bébé. Reste derrière moi. Oui, bébé. Trouvez du loot. Chérie ! Chérie ! J'ai trouvé du... Y'a rien, c'est un zombie. Oh la vache. J'ai rien trouvé, chérie. 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 J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Oh cool. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va. Là-bas ? Y'avait rien dans ce train. Il y avait un peu des radiations, mais... Et du coup, je peux aller partout. La différence avec les anciens métros, c'est plus trop... Il y avait des loots ? Non, j'ai pas oublié de loot. J'ai oublié du loot ? Là, un lapin. Ok. En manger. C'est semi-ouvert, tu vas voir du pays. Ok. Par exemple, je peux aller dans cette baraque, ça se trouve, il y a du loot. Il y a quelqu'un là, en l'occurrence. Enfin, quelqu'un. C'est vite dit. Ah ! Non ! Non, 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 non ! Et il y a un gun. Je peux le démonter. Ah, je l'ai démonté. Et donc du coup... J'arrive. Ramène-toi dès que tu peux. J'arrive. Je crois que j'ai pris une pièce. Du coup, je vais garder le silencieux. J'ai le viseur réflexe. Ok, très bien. Hop, viseur réflexe. Ça, c'est chouette. Et là, j'ai tuné mon gun. Ah non, ça a pas validé.
Ça a pas validé, je crois. Installer. Ah, d'accord. Oui, ok. Le viseur réflexe, je vais plutôt l'installer ici. Et ici, du coup, j'ai plus rien. Et là. Nice. Nice, nice, nice. De ouf. Ok. Et donc ça, les popos qui récupèrent, c'est pour faire du craft. Trop bien. Ah, c'est vraiment chouette hein, qu'ils aient ajouté cette dimension-là dans Métro. C'est vraiment très, très cool. Elle m'a parlé d'une barque, la copine. Mais attends, mais il y a trop de trucs à looter. Chaton, je suis content. Et regarde-moi tous ces trucs. Il y a des bus partout. Hop, je récupère de la ferraille. Je suis incroyablement cool. Incroyablement cool. Ok, on peut passer par cette petite poutre. Hop, monter dans cette baraque abandonnée. Waouh. Je suis tellement content. Comme je suis content, on peut tout visiter. Ok, ferraille et tout. Ok, c'est trop bien. T'es où, chérie? Chérie! Ok, elle est partie là-bas. J'arrive, chérie. Putain! Ils sont imperméables aux balles. Ah non! Pas toi! Je vais pas récupérer la bouffe. Chérie, on va manger du corbeau. On va manger du corbeau à midi. Du bon corbeau. Appeler la PETA, ouais. Incroyablement cruel avec les animaux. Dans le jeu, hein, je précise. Allez, pas clipper et tout. du coup, lui, je peux pas le démonter. Ok. Comme je suis content. Ok, on peut aller prendre la barque, chérie. Chérie! Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Ok, il y a un monstre hein, là-bas. Contact dès que je suis installé. Ok, bébé. Du coup, tu vas monter là-haut. Tu n'as peur de rien. Moi, je vais plutôt aller looter cette baraque. Regarde, j'ai trouvé des trucs. Chérie! J'ai trouvé des... Chérie, j'ai trouvé de la ferraille. C'est sûr que c'est dans... C'est un peu dangereux, meuf, hein. Je t'aurais, saleté de Cormac. Allez, on va prendre la barque. Du coup, ça fonctionne comment? Mais tu vois bien qu'ils vont m'attaquer. Mais oui. Ils sont là. Chérie, il y a des crabes chelous. Artyom, je suis en haut. C'est une vue parfaite. Putain de Cormac. Non. Je suis en train d'inventer un lore à Artyom. Il a une peur panique des corpos. Il est fou. Mathieu laisse les corbeaux. Oui, je vais les laisser tranquilles, ces pauvres corbeaux. Mais il m'a taunté aussi. Ok, je peux récupérer ça. J'ai même pas gagné de succès à tuer un corbeau. Hein. Ça servait vraiment à rien. Et du coup, je peux lui mettre au gun une crosse standard qui augmente ma stabilité. Voilà. Putain, mais ça pimpe et tout. J'adore. J'ai entendu des guns, non? Ouais. Artyom, je vois une femme qui agite une sorte de chiffon en haut du clocher. Je la vois. Je voudrais aller voir. Tu tires pas dessus, t'es sûr? Je vois du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris?
Ok, mais faut que je prenne... Faut que je prenne ma barque. Tu veux pas aller dans la flotte, y a des crabes fous. Attends, je peux faire le tour avec ma barque ou quoi? Ouais, je peux faire le tour avec ma barque. Allez, allez. Oui, j'arrive, ça va, je vous ai entendu. Alors, va falloir que je trouve un pont pour accoster. L'électricité est un péché ? Quoi ? Que la paix soit avec vous. Salut ! Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple et vois la lumière de la vérité. Oh putain, des bondieuseries. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. Ok. J'arrive, les gars. Salut. Bon, on va profiter d'un petit... de son prêche. Vous êtes tous méchants, vous serez personne. Ah. Ils ont tué mes amis et mon papa. Ok, ils sont pas si pacifistes que ça alors. J'arrive, j'arrive. Restez calmes, mes frères et sœurs. L'hérétique est piégé, car telle est la volonté du Seigneur. C'est moi l'hérétique ? Mais... vous savez même pas quelle religion je crois. Allez ! Moi j'aime bien le poisson de Tsar. C'est lui, maman. C'est l'homme du train. C'est moi. Il est venu nous sauver. J'ai du mal à y croire. J'avais perdu tout espoir. Faut que je bute tout le monde ? On n'est pas d'ici non plus. Silentius nous tient enfermés ici depuis un an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentius les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Ok. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous trois. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Allez, Nastia et moi rejoindrons votre train par nous-mêmes. C'est quoi ce logo? Il y a un logo là. Ah merde, il vient de disparaître. On a préparé notre évasion depuis longtemps. On a même trouvé une barque. Mais on n'avait nulle part où aller jusqu'à ce que vous arriviez. Oh, et va chercher oncle Crest au port. Il est très gentil et il peut tout réparer. Artyom. Je les rejoindrai et je les accompagnerai jusqu'à l'Aurora, t'en fais pas. Faut les sauver. Va au quai, je vois la barque ici. Allez, vite. Ok, ok, je m'en vais. Bon alors, ça sent la bagarre. Hein. Allez, let's go. File-moi ton loot. Oui, je suis très bien, petit roupillon, moi. Ça m'aurait manqué la messe du matin. Quand on est en patrouille, mais quand même, c'est mal vu. Artyom, je peux pas t'ouvrir à l'intérieur. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. Ok, ok. Tu t'en sortiras tout seul. T'inquiète, les phases d'infiltration, c'est mon credo.
Je suis toujours super fort. Écoute, t'es sûr que c'est dernier ici? Bah, quoi d'autre? Ils disent que c'était Satan lui-même. Satan lui-même? Et tu les as cru? Bah, ils disent qu'une fois le sermon de Percy Longchus terminé, c'est quoi ça? Dernièrement, c'est clair lui-même. Les critiques s'est volatilisé. Mais ça sentait le soufre? Non, mais ils disent qu'il y a une cuve de soufre et une cuve d'huile dans cette machine satanique. Et que tout son frère tombe dans le piège de ses. Ok, je crois que. Je crois que je vais y aller, hein. Oublie pas de démanteler les armes, Mathieu. Ah oui, j'ai oublié de démanteler une arme. Ah oui, grave. Ah oui, grave, merci. Ah ouais, grave. Ok. Ok, 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 on bouge. Mais non, je les ai pas tués, ils ont un peu la migraine, c'est pas grave. C'est des pièges. Qui toi? Ah la vache! T'es où? Fuck! On bouge! Allez, go! Hey, il paraît que tu vénères le diable? Ouais, toi aussi? Tu veux bien m'apprendre? Quand tu veux, mon pote. Un bon élève. Un très bon élève. Allez, apprends-moi. Attends. Prépare-toi à accueillir la mort, païen. Il est où? Il est derrière la porte. Si j'ouvre, il va me déboîte. Même le sauveur baisserait la tête devant les balles. Trop bien malin lui. Ok, j'ai plus de munitions pour mon gun. Ah, je peux recharger bien évidemment, c'est mieux. Bon, je vais essayer une sortie, mais j'ai super peur. Je sais pas si je vais au bon endroit. Même si tu es un hérétique, j'en appelle à ta compassion. Ne tire pas. Il a dit ne tire pas ? C'est qui ? Non, tire pas ! Ok ! Ce serait un grave péché. Ok les gars, je vous veux pas de mal. J'ai oublié ma quête, elle m'a parlé d'une barque, mais en fait je suis en train de démembrer tout le monde. Ok. Vous rendez? Bah cool. Filez-moi vos armes. Ouais, je préfère ça. Tiens toi. Oublie pas qui c'est le taulier, hein. Alors, on m'a parlé d'une barque. J'imagine que les barques c'est tout en bas, tu vois. Pour moi, c'était la bonne solution ici. Mais si, il y a une barque. Il y a une barque. Mais elle est bien accrochée. Celle-ci? Non. Mon pire ennemi. Des barques. Peut-être par là-bas. Par là-bas? Par là? Il y a une barque là! Ah ah! Je t'ai eu! Je
Ok. Je peux pimper encore mes armes. Ah, je peux pimper avec canon standard. Non, mais silencieux, c'est hyper bien. Silencieux, c'est vraiment trop cool. Salut Balbo, bienvenue à toi. Mais où je vais maintenant? Je vais où? La meuf, elle m'a dit, descends, il y a une barque, on viendra vous sauver après. Et je sais pas quoi faire. Si vous avez une info dans le chat, je suis preneur. J'ai oublié, j'avais un truc à faire, j'ai complètement oublié je crois. Non, parce que ma barque elle était là-bas, donc non, là normalement je suis sur la bonne direction. Anna, elle veut pas m'appeler. Anna, dis-moi quoi faire. Il doit pas rejoindre le train. Ouais, rejoindre ma femme peut-être. Ah, c'est bon, elle me parle. On n'a pas pu fuir discrètement, sans faire couler le sang. Ils vont nous détester encore plus maintenant. Ok, Artyom, Katia et Nastya sont avec moi. On se retrouve sur l'Aurora. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame d'où tu es. Bon, je vais avoir la mauvaise fin. Elle m'a dit, t'as fait couler le sang, je vais avoir la mauvaise fin. Ah, merde! Mais meurs en fait! Ouais, je vais avoir la mauvaise fin, mais c'est pas très grave. Ah la vache! C'est le poisson qui vénère. Le poisson tsar. Oh non. Je vais me battre contre un dieu. Portel. T'es caté pour la mauvaise fin, t'as encore le temps? Ouais, ok. Oh putain, c'était quoi ça? Une baleine? Non, on dirait un poisson-chat radioactif. Oh merde, c'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Salut mec. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. On fout de ta vie. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Je mise pour la deuxième. Mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. C'est bon, t'as fini? Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Regarde cet avion, là-bas. Ouais. Laisse-moi juste quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. C'est bon, t'as fini ton caprice? Les crevettes me donnent du fil à retordre. Non, t'as pas fini ton caprice. J'aimerais bien réussir à convaincre le poisson-chat mais tais-toi. De bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. Mais ça suffit. En parlant de Mowgli, on a le même groupe sanguin, toi et moi, t'as remarqué? Je m'en fous. Allez, tu feras mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que beau papa essaie de nous changer en colonne de sel avec ses jumelles. C'est bon? Putain, t'en avais gros sur la patate, hein. T'en avais vraiment gros sur la patate. Bon, allez, je te laisse, mec, hein. Son fichier de dialogue fait 2 gigas. J'avoue. T'as pas un. Salut petit lapin.
Non, mon chat, il veut pas que je tue les lapins, je suis désolé, hein. Je te vois ou pas dans le trou? Non. Alors. Salut, mec. T'es pas mort depuis longtemps, toi. Ah ah! Et c'est un campement! Ok, qui dit campement dit peut-être des zinzins. Ça a mis ma carte à jour, ça? Putain, c'est énorme, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment très très grand, j'adore. Ok, du lore. Je me sens tellement nul. J'aurais dû atterrir sur cette piste. Mais le vol se passait bien et je pensais qu'on pouvait continuer encore un peu. Et puis ce foutu pylône. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Une chose est sûre, on pourra pas rejoindre Moscou d'ici. Et bonne nuit, Patty Strada. À la prochaine. Mais les autres, ils ont de la famille là-bas. J'imagine. Ça fait 10 ans, mais ils sont peut-être encore en vie. Bref, on n'a plus qu'à s'installer ici maintenant. Je crois que ça s'est mal passé pour vous, les gars. Le pont a l'air d'être un endroit agréable. Au moins, on n'a rien à craindre des inondations. La voie ferrée nous permettra peut-être de rejoindre Moscou plus tard. Enfin, qui vivra verra. Du coup, par contre, j'ai un petit problème. Je ne sais pas combien j'ai de munitions. Autant dans le premier, je pouvais voir combien il me restait de munitions via la carte. Autant là, je ne sais pas. Oh. Je sais pas comment les voir avec ce mode de difficulté de Ranger. À moins que je me démerde en fait. Qu'avant je les voyais ici. Il me semble que tu peux les voir depuis le train. Ensuite il faut compter. Ah putain la vache. Ok, du coup le train il est bel et bien par ici. Ok, c'est la bagarre. Vous êtes morts vous hein. Nice. Ah ah. Du lore. Un atterrissage est réussi tant qu'on peut repartir à pied. Mais dans mon cas, c'était limite. Ça aurait pu être pire. Les trois autres ne peuvent pas bouger du tout. Shura et Nick s'en sont tirés avec quelques bleus. Nick m'a fait une attelle et m'a remis la jambe en place. Ça fait un mal de chien. On est dans la merde. Il y a un marécage. Il y a des marécages tout autour. Impossible de rejoindre à pied le village que Shura a aperçu. Pas sans les explorer pour trouver un itinéraire sûr. On va s'installer ici pour le moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à installer un campement et à rassembler tout le monde. La mauvaise, c'est que le réservoir de l'avion a une fuite. Il va falloir se dépêcher de récupérer nos affaires avant que tout parte en fumée. Un bon point inattendu, il n'y a pas de moustiques ici. C'est bizarre d'ailleurs. Putain, mais tu racontes ta vie et tout. Il y a d'autres créatures, elles ont laissé des traces dans la boue cette nuit, ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Heureusement, on a des armes et qui sait ce que sont ces choses. Il vaudrait mieux qu'on ait du courant au cas où elles sortent la nuit. Je me demande si on pourrait faire tourner le générateur de l'avion avec le vélo qu'on a dans la soute. Mon Dieu, ils ont eu Nick. Il est parti chercher le générateur et ils l'ont attaqué. D'énormes monstres gris-verts comme des mantes religieuses. Le fusil à pompe n'a servi à rien. Shura a tiré les deux coups, mais ils ont rebondi sur les créatures. Elles étaient parfaitement cachées, comme si elles savaient où l'attendre. Saloperie de monstres. Nick aurait mieux fait de rester chez nous. On a deux solutions. Tenter de chercher de l'aide au village maintenant ou attendre d'avoir épuisé nos réserves pour y aller. On a le temps d'y réfléchir. Apparemment, les monstres ont peur du feu et n'approchent pas du campement tant qu'il est allumé. Shura dit que c'est à moi de décider vu que les autres sont à peine conscients. Comment peut-on rester aussi calme? Je ne me remets pas de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Nick et cette fièvre. Oh putain, qu'est-ce que tu parles? Shura est parti, son message, quel con pourfu qu'il arrive à rejoindre la terre ferme. Il rôde dans les parages la nuit en claquant des mandibules. Je n'arrive pas à dormir, il faut que j'entretienne le feu. Heureusement, Shura m'a laissé assez de bois, les autres ne peuvent pas bouger du tout. Ma fièvre s'est un peu calmée, j'en peux plus, impossible de dormir, j'essaierai de bouger demain, il me faut du bois.
Choura, merde, fichu monstre, j'ai trouvé son sac à dos pas loin du campement. J'ai dû clopiner aussi vite que je pouvais pour revenir avant qu'il me voie. Il rôde tout près, je les entends dans la boue claquer les mâchoires, ce bruit, j'en perds la boule. Les gars passent le plus clair de leur temps dans le coltar. Ça me dérange pas tellement, ma fièvre a repris, je ne pense pas pouvoir tenir. Ce n'est pas si mal quand le feu crépite, en fait, ma fièvre empire. Je ne sais pas quel jour en est, ma jambe est toute noire, j'ai du mal à écrire, j'ai aiguisé des bâtons et je les ai donnés aux gars. J'espère qu'ils arriveront à tenir les monstres. Allez, tenir les monstres s'approche, j'en peux plus. Page déchirée. Dima, il faut que j'essaie. Tu sais bien, je suis le seul qui puisse encore bouger. Il faut que je trouve quelqu'un pour nous aider, sinon les gars seront foutus. Reste là et ne t'avise pas de faire de conneries. Bon, bah, ça s'est mal passé pour vous, les gars. En l'occurrence. Ok, ça a arrêté de tirer là-bas. On va y aller. Reste à savoir sur quoi il tirait. Un charnier. Mes préférés. Les gars. Tiens, revoilà Artyom. La terreur des forces d'occupation. Tu es vivant. Impressionnant, après toutes les horreurs que Duke nous a racontées. Viens, papa est en train de discuter avec Katia. Elles sont si gentilles, aussi bien Katia que sa fille. Et la formation médicale de Katia nous sera bien utile. Merci pour les renseignements, Katia. Mais il me reste une question à te poser. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu sais sur les forces d'occupation ? Hein ? Ah, je suis désolée, je vois pas de quoi... Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région ? Non, j'ai vu aucune armée. Pourquoi on enverrait une armée étrangère ? Il éclatait votre pays. Je vois. Artyom, t'as une minute ? Oui, chef. Merci, Artyom. Artyom, passe me voir quand on aura fini avec le vieux. J'ai quelque chose pour toi. Ok, je reviendrai, mec. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. Mm-hmm. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yarmak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Mmh. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Bon, j'y vais. T'es encore là, Artyom ? Tu devrais aller vite au port. Ah, ça va ! Bordel, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Oh, mon train ! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon train ? Salut, mec ! Bonjour, Artyom. Salut ! Artyom, c'est encore toi. Tu t'es débrouillé comme un chef. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Ouais, j'ai buté tout le monde, hein. De notre côté, on a poireauté ici. Ok. On a attendu les occupants, mais jusque-là, tous ceux qu'on avait vus avaient des ailes ou quatre pattes. Ils ont pas trop l'air d'apprécier notre présence ici. On a vu des types qui ressemblaient à des bandits au loin aussi. Ok. Alors, Artyom, tu vas au port ? Oui, oui, oui. Oh, ça va, les gars. J'ai vu personne là-bas. En tout cas, aucun humain. Ok. Un grouille de mutant. Ok, toi, tu voulais me voir ? Oui, on va. Oui. Qu'est-ce que tu penses du sac à dos ? Il est cool. Il est confortable ? Ouais, ouais. Tu peux quand même la jouer furtif. Oui ? J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, une arme ? Un fusil Tikar. Oh. Ça te parle ? Non, pas du tout, mais... Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, même sur le champ de bataille. Ok. Veille juste à maintenir une pression assez élevée. Sinon, autant cracher les balles avec la bouche.
À part ça, tu seras jamais emmerdé, je l'ai bien bichonné. Fais-lui honneur. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer. Ok. Donc ça, c'est... Du coup, j'ai 3 armes. Ah, c'est cool. J'ai 3 armes. Ça, c'est nice. Ah, j'ai un menu... Ah, j'ai un menu tab. Elles sont là, mes munitions. Elles sont là, mes munitions. Ok. Ok, 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 tu vois, nice. Artyom, quand je te disais que tu avais de la chance de m'avoir. Ouais. On a tous de la chance d'avoir Anna. Il n'y a pas de meilleur sniper. J'espère que ta maman pourra nous accompagner avec un vrai médecin. Plus rien ne pourra nous l'heure. Et tout le monde fait des bannes. Tout le monde fait des bannes de ouf. Soyez pas timide. On va se faire un peu de heal. En vrai, c'est le nerf de la guerre. On va se faire des billes. Tu viens d'où? Du sud de l'Oural. Trop bien. On a entendu parler de cette magnifique région sur la volée des années. Alors on a décidé de faire le voyage. Tac. Du coup, lui, je peux. Savoir que les fanatiques avaient pris le contrôle de la région. Dire que cross poignée, sniper. Ouais, nice. Ça améliore ma stabilité. Avec ton mari. On était une quinzaine. Mais Nastia et moi sommes les seules survivantes. Je suis désolé. Ah, ok. Tous au sud. Hé, hey, pourquoi tu fais cette tête? Tu n'aimes pas le thé? Si. Quand la gargouille a attaqué, Nastia a perdu son nounours. La bête l'a emmené avec elle. Elle a dû croire qu'il était vivant. Ah, tu peux retrouver un nounours? Oh, t'inquiète pas. On retrouvera ton nounours. Oui. Ma quête secondaire. On les appelle démons à Moscou. Et vous les appelez gargouilles. Oui, je me demande d'où viennent ces créatures. Ah, les radiations, les armes chimiques et tout ça ont dû dérégler la nature. Oui, la planète est saccagée. Pas étonnant que Silentus ait une telle emprise sur les gens ici s'ils sont continuellement confrontés à ces choses. Les pauvres. Ils doivent subir ça toute leur vie avant de mourir rongés par la maladie, alors que je suis infirmière. Mais Silentus refuse que je soigne quiconque. Il prétend que Dieu reprend son dû. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'offrir leurs cadavres à ce poisson. C'est censé leur ouvrir les portes du paradis. Mmh. J'ai essayé de faire quelque chose pour les aider. Mais non, c'est péché. C'est pour ça qu'il nous a enfermés dans cette tour. Et puis cette stupide lampe de poche n'a rien arrangé. Il s'en fout. Oncle Crest m'a donné cette lampe de poche. Mais Silentus est devenu fou et l'a cassée. C'est vrai. Et il a banni Crest qui a dû se cacher dans le port. C'est un repère de monstres. Silentus ne peut pas l'attraper là-bas. Il voulait aussi forcer maman à se marier avec lui. Allez. Mais elle voulait pas. Il est vieux et méchant. C'est une secte, quoi. Oui. L'évangile de ce foutu poisson ne dit rien à propos du mariage. J'ai eu de la chance de pouvoir protéger ma fille. Ce vieux cinglé. Il est tellement... Vous allez nous emmener. Je t'en supplie. Mais oui, tous dans le train de l'amour. Bien sûr que oui. T'inquiète pas. Chouchou! Allez, bah, bonne journée. Moi, je vais sauver ton oncle. Salut! Alors, du coup, si je regarde ma carte, c'est vraiment très cool d'ailleurs au passage. Je vais atteindre une première île où je vais pouvoir lâcher ma marque. Et là, ça va être la fête. Trouver le nounours. Mais oui, je vais trouver le nounours. Est-ce que c'est stable, cette glace? On va dire que oui. Ok. On a un collègue là-bas. Ça fait beaucoup moins le chaud, tu sais.
tuer le poisson dieu, trouver le nounours, sauver le monde. C'est vrai, il faut que je tue le poisson dieu. Après, il m'a rien fait en soi, ce poisson. Ok, on devrait avoir un bâtiment ici. Qu'est-ce que c'est? Oh oh. Oh oh. Non, 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 j'ai entendu bruit, mais ça vient pas vers moi. Et l'autre, c'est... Ok. Pourquoi il fait ça? Ah, c'est un établi. Ah, je peux fabriquer des munitions. Ah, c'est nice, ça. D'habitude, je pouvais pas. Ah, armure. Équipement. Boussole. Je peux installer une boussole. Ouais. De ouf. Et du coup, après, je pourrais avoir une meilleure armure. Ça, c'est trop bien. Ok, nice. Il y a des établis dans le train aussi. Ah, c'est cool, ça. Vas-y, je vais te démonter, toi, mec. Oui, il y a une photo quand de monstre. Ici pour de bon. Abruti fanatique. Simple lampe de poche aura suffi d'aller mettre suffisamment en robe pour qu'il prenne une place. Je peux dormir aussi. J'ai dû bricoler des cachettes un peu partout. D'ailleurs, c'est assez pratique. On sait jamais ce qui peut arriver la nuit. J'ai pas installé la boussole ? Le secteur comme ma poche maintenant. Ça vaut le détour. Il devait y avoir une sorte d'entrepôt militaire dans le temps. Mais je suis jamais allé à l'intérieur. Si ? Une cabane où il y a un truc d'intéressant. S'embarque. Ok, je vois. Éventuellement là, ouais, à côté, je vois. Ok, let's go. Alors, notre prochain plan, tuer ce lapin. Mais... pas possible. Je vais ramener de la bouffe. Y'a pas de système de bouffe. Non, y'a pas de système de bouffe. C'est juste cruel envers les animaux. Quoi ? Gâcher les munitions. Comment je pompe lui là? Il va falloir que je le pompe lui. Je me souviens plus comment on fait. Parce qu'il perd la. Il perd la pression en fait. C'est, faut que je reste appuyé sur R. Ah ouais, tout à fait. Allez, là, il est parfait. Le prochain que je croise. Ils sont deux.
Ok, j'ai utilisé plein de munitions pour ces deux salauds. Il y a du monstre, il y a du monstre. Mais t'es quoi toi? Mais qu'est-ce que t'es toi? C'est des mutants? Fuck! Ok, c'est le merdier. Ok, il y a des zombies. Ils ont mis des zombies. C'est trop bien. Ils ont mis des zombies. Ça c'est la suite. Des ghouls comme dans Fallout, de ouf. Elles me terrifiaient dans Fallout, les ghouls. Elles étaient horribles. Ok, il y a vraiment pas beaucoup de loot dans cette baraque. Il y a une barque. Il y a le poisson-chat. Un bruit de poisson. Je pense que c'est pas comme ça que je le buterai. Hein. Plutôt à base d'explosifs, tu vois. Ok, j'ai un truc pour monter. Ça peut peut-être être intéressant de passer par les hauteurs. Non, je peux pas. Ouais. Ok mec, c'est ce que j'essaye de faire. Hop, on lui pique ça. Non, c'était juste du loot. Non, 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 il y a une autre porte. Je sais même pas où t'es, Crest. Je sais même pas où t'es, mon ami. Ok, toi du bâtiment, c'est parti, on va peut-être faire un petit F5, au cas où. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merde, j'ai pris du dégât, moi. Fuck, ça arrive par là. Peut-être que je bouge, en fait, hein. Non, j'ai pas l'impression. Putain de mutant. Hey, il m'a jeté une canette. Putain, mais il m'a jeté une canette, j'étais à moitié mort. Allez, merci mec. J'arrive. Ah, tu t'es trouvé une pure base. Tu t'es débrouillé comme un chef, Bratouka. C'était très impressionnant. Ces mutants sont coriaces. Les villageois ne peuvent rien contre eux. Mais toi, tu les as littéralement décimés. En tout cas, enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis. Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde.
Alors ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois, je suis de mèche avec Satan. Mmh. Il paraît. Moi aussi, il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir vers l'Est. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures, et c'est grand de l'autre côté de la Volga, y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises, en espérant en vendre un peu en chemin. C'était une belle connerie. Et viens avec nous, j'ai on a un train. J'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Ouais. Enfin bref. Depuis votre arrivée, j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé, mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous aussi, vous allez vers l'Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles, c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait. Tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Merci, mec. Ok. Commence par le pont. Tu vois la section en haut ? Elle doit se baisser si le mécanisme d'urgence fonctionne encore. Katia de l'église merde. En saura plus que moi. Merde. Je suis jamais allé jusqu'au pont, personnellement. Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffiti. Mm-hmm. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Ok. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons ? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits, maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, préparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la belle étoile, prenne un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Ok, mec. Du coup, même sur des petites îles comme ça, je sais même pas s'il y a des petits trucs cachés, tu vois. J'irai voir. Vas-y, montre-moi. Bienvenue dans ma grotte. Ma main cave. Et voilà où j'ai... Hey, y'a de la zik. C'est un grand luxe, mais... Oh, y'a un lit. Alors, si t'es fatigué... Sache que tu es ici, chez toi. C'est une invitation ? Je me suis fabriqué un établi pour bricoler. Bazette ? Il faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire, tu peux te servir. Prends tout ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier, de toute façon. Allez, sois pas timide. Ok, établi ? En tout cas, t'imagines pas que je suis juste une belle gueule. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Ça coûte hyper cher, hein. Oh, il commence à être stylé, mon gun. Il commence à être stylé de ouf. Il me faudra un shootgun, quand même. Je peux nettoyer mon arme ? Ah, mais ça me coûte des ressources. Ah, ah. Là, pareil, je peux la nettoyer, mais ça me coûte des ressources. Ah, la vache. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Merde. Ok. Et regarde ces mains. Elles savent tout réparer. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. T'as pas des ressources, mec. Parce que mes armes, elles sont dégueulasses. Ok, je pique ta carte postale. Il a dessiné un soleil, c'est trop mignon. J'ai réussi à acheter des clopes aux villageois avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Il suffit de t'accrocher et c'est parti. Ok. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. C'est à cause de ça qu'ils m'ont banni du village et du pont. Si je nettoie pas mes armes, elles deviennent inutilisables. Putain, la vache. Elle est bientôt foutue d'ailleurs. Salut mec. Il faut vraiment que je récupère des ressources. Je crois que je suis jamais allé dans ce bâtiment. En vrai, si je récupère des...
des popos là. Enfin, je vais appeler ça des popos, mais en fait, c'est pas des popos, c'est du fluide. Mais en tout cas, il me faut vraiment du matos. Putain, j'ai pris trop cher. Fuck. Bon, faut que je sorte d'ici. Putain, j'ai pris hyper cher à cause des dégâts de chute. Ça pardonne vraiment pas dans ce jeu. Hein. Alors, notre prochain plan, c'est de finir de visiter cette île. Parce que c'est sûr qu'on a de la ressource ici. Et il m'en faut. Il m'en faut vraiment beaucoup. On va aller scavenger, hein. Petit endroit caché ou quoi? Allez. Oh là 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 là. L'ambiance est trop cool. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça m'inquiète un peu. Ok, c'est loqué. Ah. Ah. C'est des ressources. Je sais pas ce que c'est ça. Ok, ça pète. Ok. Opération infiltration. Il me faudrait vraiment un shotgun en fait. Merde. C'est toxique par ici. Ok, ça c'est d'où je viens. Du coup, c'est un raccourci. Allez, c'est parti. On va choper de la ressource. Oula là là là. Mais il y a l'air d'avoir. Il y a l'air d'avoir du peuple. Oh oh. Merde! Merde! Oh le con! Oh le con! Oh non! Oh j'ai paniqué! Mais non, je refais la même erreur en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je sais pas où je suis. Je suis mort du coup. Bah oui, je suis mort. Bah oui, évidemment. Quel con! J'ai pas save depuis 1000 ans. C'est ma. Oh putain, j'ai pas save depuis 1000 ans. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. J'ai pas save. Quel con. J'ai réussi à acheter des clopes au guidatoire. Avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Il suffit d'accrocher et c'est parti. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. C'est à cause de ça qu'ils m'ont banni du village et du pont. Salut mec. Alors, bon, j'apprends le jeu, hein. Par rapport aux autres, c'est pas pareil, y a pas des checkpoints. Donc du coup, sauvegarder est un truc hyper important. Là, les dégâts de chute... C'est vraiment une dinguerie. Du coup, est-ce que j'ai pas moyen de me faire moins mal? Non. Je vais essayer sur le bureau. Peut-être que je le prendrai pas. Ok, je le prends pas. Arthur, Sam, Damir, à vous.
200 mètres de l'Aurora. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose. Sale bordel de merde. Et vous l'avez laissé faire? Artyom, mène-toi de la rejoindre. Oui, 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 oui. Attends, je vais looter. En tout cas, il est vraiment excellent. Bon, je sauvegarde. L'ambiance est vraiment dingue. Ah, j'ai oublié ça. Daria, tu avais raison, ils grandissent vraiment à une vitesse anormalement élevée. Je viens d'en d'identifier deux. De la portée de l'an dernier, ils sont déjà adolescents, c'est incroyable. Prends le magnéto et les batteries, on s'installe ici, c'est un endroit parfait pour les observer. Et tant que tu y es, fais une piqûre anti-rabique à Mikael. Il s'est fait mordre, il dit que c'est pas grave, mais on sait jamais. Heureusement, j'ai réussi à le persuader d'aller récupérer l'équipement et de te ramener. Je vous attends ici. Ok, bon, cette fois-ci, on refait pas la même erreur, on va save. Et on va éviter de tomber dans la flotte comme un, comme un gros nul. Pas vu. Si ils m'ont vu. Je sais pas. Je sais pas si vous me voyez les gars. En tout cas, j'ai pas de ligne de tir vraiment très claire. Ça passe. Fuck. Je crois qu'il y en a dans la flotte, mais je suis pas sûr. Je vois rien. Fuck. Prends-le ton headshot là. Ok, j'ai un passage qui ressort par ici, j'arrive où? Ok. Il doit y en avoir masse ici. Ah mais il y a vraiment du loot de dingue. Attendez, je crois que je dois m'occuper du chat. J'arrive. C'est la pose du chat. C'est la pose du chat. Allez. Dinguerie ces zones en tout cas. Et c'est hyper grand. Hein. Là, ça va remonter à la surface, j'imagine. Ok, j'ai pas tout fini de visiter dans ces dédales. Il faudrait que j'aille sur la partie droite, du coup là maintenant gauche. J'imagine qu'avec cette caisse, je peux peut-être arriver à faire quelque chose de sexy.
Ok, nice. Tu sais bien sauter, mec. J'entends quand même... J'entends quand même beaucoup de saloperies là-haut. Hein. Oh putain, oui. Ah putain, oui. On va essayer de récupérer un petit peu tout ce qu'on peut, au moins à l'étage inférieur, et après on va monter. On va monter comme un fou. Et là, pour cette, pour ce passage-là, là, je pense qu'on y, on y accède via l'autre côté, via un autre côté. Vache ! Il m'a balancé une... Il m'a balancé une canette ! Ok, 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 ok. Putain, mais ils font hyper mal! Putain, il m'a balancé une canette de 8-6, il m'a déboîté, quoi. Lui, il a plus d'air. En vrai, je crois que je vais jouer avec lui au maximum parce que les munis coûtent que dalle à faire. Merde. En parlant de munis, j'en ai plus en fait. Oh putain, il faut que je fasse des munitions. Les billes en acier, ça me demande... Ok. Ok, ok, j'aime bien le truc de survie où vraiment tu galères un peu. C'est vraiment très très cool. Ok, et du coup dans ce bâtiment, là où il y avait l'échelle, je crois que c'était lui. Putain, j'ai l'impression que ça arrive de partout. C'est vraiment trop bien fait. Prends-le ton headshot. Mais... Mais vous êtes intuable ou... Ça se passe comment? Damn! Quel merdier, mais tout se loot. L'autre il s'est barré en courant, du coup je sais pas du tout où, elle a, où, il est, où il est allé. J'ai enlevé ça moi maintenant. Bonsoir, Metro Exodus se rapproche plus d'un stalker. Avant, notamment cette partie, j'ai adoré en tant que fan de Stalker. Mais oui, c'est trop trop bien. Hein. C'est vraiment très très chouette. Les dégâts de chute, c'est une dinguerie dans le jeu, donc je vais éviter de sauter. En fait, c'est quoi les champifluo? Les champifluo, ça me donne du fluide qui va me permettre de nettoyer mes armes, entre autres, et sinon de crafter des trucs. Et là, mes armes, elles sont toutes les deux vraiment dégueulasses. Et donc, du coup, il faut vraiment que je me farme un petit peu ce truc. Parce que si elles sont sales, après, je peux plus les utiliser. Et là, j'ai ce qu'il faut pour les nettoyer. En vrai, ça va le faire. Il devrait avoir de la ferraille aussi dans le coin. Du fluide, très bien. En vrai, tant que j'ai, comme j'ai vidé tout ça, je vais vraiment looter. Mais le jeu est assez avare pour l'instant, tout du moins. Le jeu est assez avare en loot. Mais tant mieux, hein, ça te force un petit peu à bien tout visiter. Et pas trop rusher, quoi. Alors que moi, je suis pas un rusher dans les jeux. Mais c'est une bonne idée. C'est vraiment une chouette idée.
Il devrait avoir un abri ici, mais voilà, c'est chez le collègue. Et chez le collègue, il faudrait que je remonte via ça. Et du coup, je vais aller nettoyer mes armes. Je sais pas si là, je peux monter. Non, c'est trop haut. Fais gaffe à ta tête, mon pote. Et au début du jeu, je pense que j'ai fait une petite erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais... Je vais me débarrasser de mon péteux, là. Et je vais le remplacer par un shotgun pour des phases de corps à corps vraiment plus violentes. Ah, putain, j'ai refait la même erreur. Tough ici. Alors, nettoyer. Ouais, parce que là, elle a plus qu'un 1, quoi. Et voilà, j'ai plus de ressources, quasiment. Oh ! Ah, la vache ! Eh ben, ça va être dur, ce jeu. Ça va être dur de ouf. Je vais peut-être dormir pour me healer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux boire? Ça me soigne pas. Je peux attendre jusqu'à la nuit. On va voyager de nuit. Gizmo qui dit en vrai faut essayer de pas trop allumer quand tu peux faire en mode infiltration, c'est préférable. Ok. Du coup ça m'a bel et bien soigné. Ça c'est cool. Est-ce que les ennemis ont rip-hop? Tiens, il y a un truc électrique qui était pas là avant. Sûrement parce que c'est la nuit. Ouais, il y a un arc électrique là, c'est chelou. Ah, mais c'est... Je m'en souviens, c'est dans Metro 1, ça. C'est hyper dangereux, ça me tue. C'est ce qui se baladait dans les couloirs du métro. C'est no bueno. No bueno de ouf. Et il y a une petite île ici. Ça serait cool d'y aller, mais... il me faudrait une barque pour pouvoir y aller. Est-ce que le jeu a pensé à me mettre une barque juste à côté? Ou il va falloir que je fasse un gros tour de connard pour choper une barque? Ah ouais, regardez, ils sont morts. Ils ont été brûlés par cette infamie. Et le problème, c'est que c'est la direction où je veux aller, donc on va l'esquiver. Oh mon dieu, il fonce droit sur nous. Et j'ai plus mon masque. Pourquoi tu bipes? Ouh là 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 là, ils sont 1000. Ils sont 1000, ça arrive ou pas? Non, ça arrive pas. Ouais, mais là, je vais pas pouvoir passer à côté d'eux tranquillement. Surtout que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah!
Oh là là, ça me coûte des munitions à chaque combat. Ok, donc je suis bien arrivé sur cette île, mais en fait, c'est une île un peu inutile. Attends, je suis où là? Ah, mais je peux rejoindre cette petite île. Ok. Y'a quelqu'un? Mec est mort. Vas-y, file-moi ton loot. C'est quoi ça? Ok. J'ai rallumé le générateur. Il y a peut-être plus d'essence. C'est les collègues ou pas? Et là, j'ai vu cette chose énorme, mais vraiment énorme. Elle fonçait droit sur nous dans un hurlement métallique et un nuage de vapeur. J'ai juste eu le temps de dire « Seigneur, sauve-nous !» Et elle a forcé le passage. On a eu de la chance de s'en sortir vivant. C'est épouvantable de foncer sur les gens comme ça. Ah les gars. Avec un train. Regarde un peu ce que le chat vient de me ramener. Tiens, bonjour, hérétique. Tu viens corrompre les fidèles? Non. Ou nous terroriser avec ton arme? Non, non. Ça n'arrivera jamais. Tu parles d'un héros. Menacer des gens sans défense avec une arme. Ça alors? Il ne dirige pas sa lumière satanique sur nous. Voilà. Il a rengainé son arme. Oui. Tu es cool. C'est un humain après tout. Même si c'est un hérétique. On peut même le raisonner. Son arme n'est peut-être pas totalement perdue. Non, tu parles. Tu crois vraiment que ces hérétiques ont une âme? Regarde son armure. C'est vrai, c'est l'œuvre de Satan. Mais si seulement nos paladins avaient eu la même. Béni par le père Silentius, évidemment. Les bandits n'auraient jamais pris le contrôle du dépôt de train ou du pylône. On contrôlerait tout et ils brûleraient en enfer. On les aurait tripés comme des chiens. C'est une tentation. Une tentation par la technologie et son pouvoir satanique. Bon, vous avez fini de dire de la merde? Mais franchement... merde. Et le langage? Le langage, les gars. Bon, allez. Je sais pas si c'est très safe pour vous ici, mais en même temps, étant donné que vous êtes un peu des connards. Ok, c'est un autre... est-ce que c'est un établi? C'est un shotgun? Ah non, ce n'est pas un shotgun. C'est juste un abri pour éventuellement passer la nuit. Salut El Bastos, à la prochaine. Du coup, comment on rentre là-dedans? Ah. Et du coup, c'est loqué parce que il faut que je rallume le générateur, mais le générateur ne s'allume pas parce que je ne sais pas. Parce que j'imagine qu'il faut mettre peut-être de l'essence. Ça, c'en est. Ah oui, bah oui. Y en a dedans. Ok, c'est vide. C'est vide. Donc, je suis sur la bonne voie. Ça veut dire que je devrais trouver peut-être dans le coin un bidon d'essence, à moins qu'il soit vraiment très très loin. Éteins ma lampe parce que c'est un péché. À moins que là je suis passé un peu vite et qu'il y avait un bidon d'essence. Non. Sinon il va falloir que je ramène un bidon d'essence à la mano quoi. Mais... lui ? C'est peut-être lui, en fait. Non. Ok, ils sont tous nuls, mes bidons d'essence. Impossible.
N'allume pas cette lumière ici. Tu vas tirer les démons. Mais non. Éteins ça, je te dis. Vous avez pas un bidon d'essence? Dieu tout-puissant. Non, pas de bidon d'essence pour moi. Il est peut-être sur une île annexe. Après, si je vais là, je crois que c'est la quête du jeu. La loose ! La loose, la loose ! J'ai pas de voyage rapide du coup. Faut que je voyage tout à pied. Oublie pas le nounours. Mais oui, le nounours, j'y pense de ouf. Je crois que je vais aller tout à gauche, histoire de clôturer toute cette partie. C'est-à-dire le bas gauche de la carte. Parce que tout à gauche, il y a deux îles, dont une où il y a des trucs de dessiner dessus. Et là, pour le bidon d'essence, ben, soit je l'ai pas vu et je suis aveugle, ce qui m'arrive souvent dans les jeux. Soit, en fait, faudra le ramener. Mais c'est un peu bizarre parce que... quand t'as le bidon d'essence en main, j'imagine que tu galères pour le ramener. Tu peux pas utiliser tes armes et tout. Là, il y en a, mec. Il y en a juste là, des bidons. Mais bon, c'est pas grave. On va aller clôturer cette zone tout à gauche. Du coup, on va aller tout droit et on va éviter de trop gaspiller des munitions. Attaque sournoise. Ah merde, t'es pas mort. Ok. Putain, il faut retraverser ce gros truc. De passer par là. Vas-y. Oh la vache! Ok. C'était pas glorieux. J'ai pensé que ça passerait, mais pas du tout. Alors. Ah mais c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Ah, j'ai plus de munitions, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, il y a encore une boule bleue. Elles sortent que la nuit, j'ai l'impression. On y arrive là, hein. Ouais. Oh oh. Non. J'ai cru entendre un truc, il y a des bruits partout. Il y a des bruits partout dans mon casque. Il y a bel et bien une barque qui va me permettre d'aller sur cette île.
Oui. Il galère mon perso, hein. Il galère de ouf, Artyom. Ok, petite maison. Bloqué dans la... Bloqué par un... Ah. Je sais pas s'il a froid ou s'il galère, en fait. Ah là là. Il y a full crabe. Il y a full crabe. Ok. Ok. Ok, on va esquiver un peu le combat. On va essayer de rentrer dans la baraque. Oh putain. C'est le domaine des crabes. Putain, il vient vers moi. Il est aggro. Il est aggro de ouf. Il est pas content. Il est vraiment colère. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis venu ici pour rien, je crois qu'il y a rien. Il y a rien. Oh putain. Comment je vais atteindre cette baraque? Ah, fuck. Ok, ça crache des trucs. Dans le plus grand des calmes. Mais je pense qu'ils pourront pas rentrer, ils sont trop gros. Attends, je suis pas venu ici pour rien quand même. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un lance-grenade? C'est un lance-patate? Canon court et silencieux. C'est excellent. Je perds en dégâts de ouf. Mais bon, ça sera cool si jamais je veux faire une mission d'infiltration. Ça sera vraiment cool. Allez, file-moi ton loot. T'as plus besoin de façon, mec. Quel merdier. Allez, on va se barrer d'ici. Maintenant, l'idée, c'est de rejoindre ma barque. L'idée, c'est de rejoindre ma barque et éventuellement d'aller aux îles du sud. Peut-être que le jeu m'a caché des trucs là-bas. Putain, il y a un crabe. Elle est où? Elle est là. Bateau. Un cocktail Molotov. Alors ça, c'est cool. Vas-y, je te pique ça, mec. Merde! Il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus. Oh, c'est moche. C'est vraiment moche qui m'est arrivé. Putain, je suis là. Oh la vache. J'ai oublié de save comme un connard. Non. Oh la loose. Oh la loose. Oh, j'ai trop les boules. La barque est vraiment pratique. En fait, c'est de loin ce qui m'est le plus utile. Bien sûr, je me suis fait quelques frayeurs avec ce poisson-chat, mais c'est encore plus dangereux sur la terre ferme. Les bandits semblent bien décidés à virer les fanatiques du pont. Ils ont installé des camps partout, au dépôt de train, dans
des ruines à côté, même sur le pylône électrique. Et ils plaisantent pas. Les habitants du pont tombent comme des mouches. Je suis vraiment désolé pour ces pauvres gens. Les fanatiques sont des enfoirés, c'est sûr. Mais les bandits sont bien pires. Bon. C'est la loose, hein. Alors, il m'a envoyé chercher du poisson. Là, c'est mes bidons d'essence. Ah! Je vais essayer quelques trucs. En vrai, je me dis que la fuite, c'est peut-être parfois la meilleure solution. Hein. Tu vois, genre, plutôt que de perdre des munitions, genre, je cours comme un zinzin. J'ai pas de jauge d'endurance, donc du coup, je m'en fous un peu. Ah si, en fait, c'est ça, sa jauge d'endurance. C'est qu'en fait, il souffle. Ok, en fait, si elle est là, sa jauge d'endurance. Il souffle et il galère. Et j'essaierais bien de combattre les crabes, mais c'est quand même des gros sacs à PV, hein. À moins que je passe par là. Comme un filou. Comme ça, je prends pas la barque. C'est là où je suis mort. Fais-moi tout. Fais molotov. Ok. F5, on matraque le F5. Merde. Merde. L'eau. Mon ennemi juré. Mais c'est qui t'avait tué? Bah c'est les crabes. En fait, ils ont une attaque à distance, les crabes. Ils ont une attaque à distance qui m'avait finish, en fait. Ils m'avaient finish de ouf. Ils balancent une espèce de... Ah! Save. On va save. Ok, on va essayer de pas se prendre l'attaque à distance. Ok, go. Pouh. Bon, nice. On a récupéré ce qu'on pouvait. Et il y a deux îles qui sont cachées par là. Mais très honnêtement, j'ai l'impression qu'elles doivent être peut-être relativement vides. Mais ma curiosité est sans faille. Merde, il me tire dessus. Et merde. Non. Vas-y, faut que je me barre. Ok, ils en ont vraiment après moi. C'est ces îles, en fait. Mais très honnêtement,
J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Oh putain, ils sont là. Oh la vache. Ah ça, j'avais pas vu ça. Un abri anti-atomique. Je peux rentrer? Non. Peut-être pas pour tout de suite. Oh là 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 là. J'ai sauvegardé, je vais réessayer, hein. Peut-être qu'ils se sont barrés avec un peu de chance. Non, ils sont pas barrés, il est là. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Parle comme des hommes. Ont le goût du crabe. Je sais même pas si je peux y aller en fait sur ces îles. Parce que j'ai l'impression que je suis bloqué de partout en fait. Ouais, je suis complètement bloqué là. Parce que éventuellement je pourrais aller là. Mais après je suis bloqué. Trop bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah tu vas me tirer dans le dos. Tu vas me tirer dans le dos, évidemment. Bon, on va gager que ces îles, c'est pour la déco, hein. C'est pour la déco parce qu'en fait, là, cette zone, elle est bloquée. On peut pas faire le tour. Est-ce que ce serait pas le moment de dormir un peu, tu vois? Parce que je crois qu'ici, c'est pour dormir. En vrai, on va peut-être dormir un coup. Il y a rien sur ces îles, perds pas de temps. Ok. Ok, ok. Et on va... En vrai, on va refaire un truc de jour. Parce que la nuit, c'est horrible. Il y a ces trucs-là, les boules bleues. Ça me font flipper. Ok, et bah du coup on va faire la quête principale. Donc il faut que je reprenne la barque au nord pour après longer la côte. Oh, merde! Mais qu'est-ce que... Hey. Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais c'était pas là où je devais aller. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner. Bon bah je l'ai trouvé par hasard. Trouvé par hasard. Dégage l'araignée. Ok, ça s'est verrouillé. Ça sent les monstres, hein.
Ok, il y a un type. Merde. Mort ? Non, il est pas mort. Vas-y, fais encore plus de bruit. Putain, on n'y voit rien. Ah, fiche. Il m'a balancé un parpaing. Oh là 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 là. Ok, j'ai plus de munitions là-dedans. J'ai plus de munitions là-dedans. J'ai des munitions dans le gun. Oh, quel merdier. Quel merdier! Une chance qu'ils aient gardé leur froc. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont encore leurs pantalons. plus de filtre. Ok, 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 ok. On loot. Ma copine elle galère. Je vais finir de clôturer cette zone là. Ok, là ça roule. Voilà. Merde, 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 merde. Fuck, fuck. Ils vont me balancer un parpaing. Ok, là je rejoins en fait. Je rejoins ici. Ok. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça remet la lumière. Ok. Et la lumière fut. Fuck. Quel merdier. Quel merdier. Et il file jamais de heal. Hein. Faut que je le crafte moi-même. Sauf que ça coûte une fortune à crafter. C'est un délire. Hérétique, pas de lumière, c'est vrai. C'est vrai que je suis hérétique de ouf. Ok. Donc là, on va pouvoir continuer ici. Du plafond quoi. J'arrive, j'arrive Anna. Galère pas trop STP. Ok, donc là je rejoins. Non, c'est fermé.
Ah non, j'arrive. Ok, ça ouvre le bunker. Attends, on arrive. On arrive. Anna, ça va pas? Anna. Ah, bordel de merde. Ça, il faut prévenir les autres pour la retrouver. Les gars. N'embêtez pas avec ça. Anna, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contente qu'Artyom m'ait trouvé. J'ai pas fait exprès, je suis tombé dans un trou en fait. Ah, c'est quoi cet endroit? T'as vu les marines? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharge. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux. Merci mon amour. De rien, j'ai pas fait exprès. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Elle est debout en fait. Pas question. Je peux... Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou je sais quoi. Il me faut d'huile, hein. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte. Elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna. Oh, un jour, tu sais, tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mise aux arrêts, jeune fille. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir retrouvé ça. Maintenant, tu la ramènes ici à coups de pied dans le cul. J'ai deux mots à lui dire. Et je sais pas si s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Fais demi-tour. Aide Stepan à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous. Ok. Ok. Artyom, je me sens mieux maintenant. Oui, bah oui. Vraiment, je te jure. Dis-moi, Sam, du coup, il y avait des portes fermées, là. Oui, mais oui, il y a des portes fermées, là. Je peux tirer dessus? Ah oui, nice. La subtilité à son état brut. Ok, un chargeur, ça c'est cool. Alors, message détrempé, qu'est-ce qu'il leur prend de nous apporter ces saletés? Il faut s'en débarrasser correctement. Cette bande d'escrocs du traitement des déchets, ils se partagent le budget avec les généraux et nous on se retrouve avec ces vieux trucs sur les bras. Je me demande si ça devient encore pire ou si ça s'arrange une fois la date passée. Dans quel cas on s'en sortirait le mieux? Les barils ont l'air prêts à se mettre à fuir à tout moment. Il va falloir demander une combinaison de plus. Tu as l'air d'avoir un passage au sol dans la pièce au fond à droite. Ah ouais? Là? Et j'y suis allé en fait. Mon gun avec un meilleur chargeur. Oui. Non, je pourrais essayer de passer tout droit, mais non, je vais tomber dans la flotte. Comment veux-tu que je sache à quoi elle ressemble? Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas vu. Ah non, pas forcément. Une barrière, des miradors, des patrouilles, des bâtiments, une base. Non mais en vrai, je crois que j'ai bien visité, hein. Je crois que j'ai bien visité, c'est ça. Je vais peut-être essayer de faire un petit tour, mais en vrai... J'ai
J'ai plus de batterie dans ma lampe. Allez, 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 pompe, 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 pompe. Non, non, j'ai bien fait le tour. Hein. En tout cas, j'adore l'ambiance. Hein. Y a un truc Fallout de ouf. Stalker. C'est vraiment très très cool. Ça renouvelle la licence de dingue. C'est... J'ai pas les mots, tu sais. Allez, tac. Qui pourrait ressembler de près ou de loin. Donc du coup, elle m'a dit d'aller convaincre le collègue. Du coup, le collègue, il est au train. Mais, tant que je suis là... C'est bon. Oh non, tant que je suis là. Je voulais aller au point d'interrogation, mais en vrai, on va aller voir le collègue. J'aurai largement le temps d'aller au point d'interrogation un peu plus tard. Ok, t'es en béton armé, toi. Quand le one shot il passe pas, on perd de la munition. Allez, retour à la base. Salut les copains. Artyom, aide-nous. Le vieux veut pas laisser Katia et Nastia nous accompagner, alors que Katia nous a indiqué où trouver un wagon de passagers en très bon état. Ok, j'arrive. J'imagine qu'on va devoir repartir. Mais non. Pour aller où? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Eh bien... Peut-être que... Je sais pas. C'est vrai, ce n'est pas qu'une question de place. On devra peut-être se battre pour traverser le pont, et même après, on sait pas quels dangers peuvent nous attendre. Mais quand même... Je lui ai dit que je pouvais aider. Je suis infirmière. Je lui ai parlé du pont aussi, on peut le baisser. Oui, je lui ai même parlé du wagon dans le dépôt de train. On l'a utilisé... Il tente un move, là, non ? Jusqu'ici, il est très bien. On l'avait préparé pour un long voyage. Oncle Artyom, s'il te plaît, laisse-nous venir. Oui. Je serai sage. Je vous aiderai à tout faire, promis. Ok. Nastia, arrête d'embêter Oncle Artyom. Mais je suis pas son oncle. Oh, ne t'en fais pas, Nastia. Oncle Artyom va parler à notre commandant et arranger ça. Waouh. Oncle Artyom est plus important que le commandant qui fait peur avec ses jambes en métal. Non, ma fille, il faut pas dire ça. Tu vois, c'est Oncle Melnik qui commande ici. Mais il écoute ce qu'Artyom lui dit. Tu tentes un move. Parfait, oncle Artyom. Je te vois, mec. Ah, je voulais aller chercher ce wagon moi-même, mais pas question. Abandon le poste, ennemi, cours martial, tu connais la musique. Tu moves. Il y a Kenna et toi qui... Mais tu moves, là. Je te vois. Tu tentes le move. Vous allez nous emmener. Je t'en supplie. Bien sûr que oui. T'inquiète pas. Mais... Ça se voit de plus en plus. On est en live, hein, t'es filmé, mec. Tu profites de la détresse de cette jeune mère pour lui dire, mais oui, on va vous accompagner, vous inquiétez pas. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, Artyom. Salut. Lania, bienvenue à bord. Merci, je te décevrai pas. Salut, les gars. Artyom, bon. Hey, Artyom, il faut que je te parle comme que ça range. Assieds-toi. Ok. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. J'ai trouvé le nounours ? Non, non, pas encore. Pas encore. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang ? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises? Ça fait mal. Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme,
et sa fille de 6 ans en plus. C'est proprement intolérable. Donc on va les laisser ici dans la neige. Ouais. Je leur laisserai mon matelas et j'irai dormir près de la chaudière. Tu t'endormiras pendant ta garde et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas. Mais laisse-le, il veut tenter un move. On peut pas les abandonner. Il est amoureux. On a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu en recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une draisine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Mais oui. Non, tu iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper? Oui, chef. Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la draisine. Mm-hmm. Ça marchera pas si. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si tu vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. Elle peut te peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stéphane. Hey, je tiens à eux autant qu'à toi. Mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. C'est bon? Salut les gars. C'était cool de discuter avec vous. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Ouais, t'inquiète. Regarde mon installation, Artyom. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de Anna, place pour tout. Merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. Cet endroit est un cauchemar et ce silentus est horrible. Attends que tout soit réglé avant de nous remercier. C'est à Artyom de jouer maintenant, alors souhaite-lui bonne chance. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Artyom. Merci. Et toi aussi, Stéphane. Merci. Non, non, parlons pas. Vas-y, c'est ton move, mec. Gérer ton move de ouf. Oncle Artyom, Oncle Artyom, ouais. Tu pars en mission? Ouais, de ouf. Je voulais te demander, là-bas, près des grosses citernes, si tu trouves mon nounours, au cas où, tu pourras me le ramener? Mais oui, petite. Un démon l'a pris. Un qui volait, il était effrayant. Ils vivent là-bas. Il a pris mon doudou pour le donner à ses enfants. Ça, c'est pas cool. Mon nounours me manque tellement. Je voulais aller le voir, mais maman veut pas. Parce qu'il y a des démons de l'électricité aussi. Je mens pas, ils sortent la nuit et ils font de la lumière. C'est trop beau. Et effrayant aussi. Oui, c'est bon, t'as fini? Allez, salut. Salut, petite. Il y avait des lapins dans la petite caisse, ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah du coup, on va aller dans une nouvelle zone. Artyom, tu te rends au terminus? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon, près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Ok. Ah, encore une chose. Ouais. Cette tour sur la droite, tu la vois? Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits. Ils nous surveillent. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Stéphane voulait qu'on aille leur piquer leur gratte. Ils étaient en train de massacrer la mélodie. Ok. Tu peux piquer une gratte? Si tu peux libérer cette guitare, tu rendras un vieil ami heureux. Stéphane est un magicien de la gratte. Il connaît des super morceaux de rock. Bonne chance, Artyom. Pas de soucis, les gars. Je ramène une gratte.
Ramener un nounours, ramener une gratte. Putain, un truc à faire, moi. Merde. Punition. Non, il arrive, il arrive. Il arrive. Non, c'est pas le bon gun. Fuck. Ok, j'ai plus de munitions. C'est un de ces merdiers. Des billes en acier. Ouais, je vais en faire. Hein. Oh, quel merdier! Allez. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation. Je vais y aller en priorité. Je sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation, mais on va y aller. Bah c'est la tour en fait, c'est là où il y a des bandits. Merde, je me suis trompé. Ok, il y a bel et bien quelqu'un. Oh putain, ça va être encore un merdier, pas possible. Ok, on va save. Et on va essayer une approche ninja. Ah, ils ont un villageois. Ils ont capturé un villageois. Il a pas voulu l'attaque sournoise. Il a pas voulu l'attaque sournoise. Ok, je suis repéré. Merdier, c'est le merdier. C'est le merdier. Ok, il y a un pur orage, c'est vraiment trop bien. J'arrive mec. Je pacifie. Il est où l'orage? Il est là, il avance. Je vais sauver le type en priorité. Après, je ferai le loot. Oh la vache. Allez, mec. Bouge, il y a un orage. Oh, merci. Merci. Oh, ces vermis m'ont capturé sur la route du temple du Pouvé. Si mon Dieu m'avait demandé de faire pénitence et... fait la moitié de mon capturé. Ah, je crois que t'es un des hérétiques. Je vais te le dire quand même. Il y a une cachette ici, sur l'îlot. Il y a un appareil. On peut pas l'utiliser.
c'est un péché. Hein? Mais tu pourrais, toi. Quel îlot? Je prierai le poisson de ça pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ton âme sera peut-être sauvée. Ok, salut mec. Il y a un orage. Je sais pas ce qu'ils ont dans le. Je sais pas ce qu'ils font les orages dans le jeu, mais bon, j'imagine que peut-être qu'ils font rien. Mais ça me fait un peu peur. Voilà, le loot. Lui, je l'ai tué, mais je l'ai pas looté. Faudra que j'y pense à le looter. Ah, il y a le poisson. Allez, file-moi tout. Là. Ok. C'est l'heure de vous piller. C'est l'heure de vous piller, les gars. Rien à piller. Ah ah ah. Où est-ce que vous cachez votre loot de bandit? Bande de bandits. Simon, le pont est complété. J'ai la guitare. Ok. Bon, je crois que j'ai bien fait le tour. D'ailleurs, j'ai looté plein de nouveaux trucs pour mes armes. Est-ce que c'est intéressant? Une crosse lourde. Allez, je prends ça. Tu prends pas la tyrolienne? Il y avait une tyrolienne? J'ai pas vu. Tu peux encore monter? J'ai pas vu. Ah oui! Putain, c'était sous mes yeux. Et je peux aller sur la tyrolienne, mais ça va me faire aller dans une zone que j'ai déjà visitée en fait. J'y suis déjà allé là-bas, tout à l'heure. Du coup, ça m'intéresse pas forcément. La guitare dépasse même pas du sac, c'est beau. C'est très très beau. Il a trouvé un moyen d'optimiser, de ouf. Il n'y avait pas un bidon d'essence dans la tour? Vous avez vu un bidon d'essence? Je l'aurais loupé? En tout cas, le bidon d'essence, je sais que j'en ai besoin. Mais il me semble pas avoir vu de bidon. Mais le bidon, j'en ai besoin, ouais. J'en ai besoin absolument. Non. À moins que je l'ai pas vu. Je vais aller voir en bas. De toute façon, j'avais pas fini de faire le tour. Mais le bidon d'essence va être extrêmement utile pour choper du loot. Du loot, du loot, du loot. Je crois qu'il n'est pas loin du début de quête. Ah ouais? Non, je le vois pas, hein. Et toi, t'es toujours là? Il était juste devant moi? Comment ça, Shorty? À quel étage?
Ah, lui ! Ah, mais non, mais lui, c'est pas un bon. Je peux pas le ramasser. Je pense à sauvegarder, c'est vrai que j'ai pas sauvegardé. Lui, je peux pas le ramasser parce que le jeu est coquin. Il y a certains bidons que tu peux ramasser et pas l'autre. En fait, le bidon est à la place de l'arme. Donc, tu dois avoir 500 mètres à faire. Ah ! En fait, il était à côté ? Bon, je verrai plus tard, mais... Je sais même plus quelle île c'était. Si je prends la tyrolienne, je crois que je peux y accéder. Parce que ça m'ennuie un petit peu que j'ai loupé ce bidon. Mais en vrai, j'ai fait le tour plein de fois. Bon, après, je sais que je suis réputé pour ne pas voir les trucs. C'est sous mes yeux, généralement. Le bidon de mémoire, il est juste à côté de la cabane, mais relou à trouver. Ah, ok. Bah, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'ai fait le tour plein de fois. Parce que je me suis dit, ben, un objet de quête, généralement, tu le mets pas à l'autre bout de la planète. Et c'était par... C'était par là. C'était pas lui, c'était pas lui. Et Ah ! Ne dis pas que c'était lui. Oh la vache ! Il était juste derrière la cabane, je me suis fait avoir comme un bleu. Et là, c'est bon. Donc, du coup, le générateur est activé. Je peux retourner ici, activer le courant. Non, pas là. Là. Ok. La porte s'ouvre maintenant. Ça, c'est chouette. Ok, de la ferraille. Je prends. Ok, c'est loqué. C'est loqué. Là, c'est toujours loqué. Ouais. Là, il n'y a pas de cadenas. C'est trop bizarre. Et du coup, ça rejoint ici. Ou au-dessus. Au-dessus. Au-dessus, il y a une ouverture. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est le bon move à avoir. Relou. Par l'étagère ? Non. Par ça ? Ah putain la vache ! Par ça ! Ok, j'aurais vraiment pas pensé qu'on pouvait monter sur cette poutre. Et moi ton loot. Ok, nice. Et là, du coup, je peux descendre.
Ok, je me fais pas mal, ça c'est bien. Je récupère. Et la lumière fut. En fait, tu as lu les livres? Oui, je les lis tout le temps, les livres. Enfin... si je dis pas de bêtises. Ah, mais les livres métro. Ah. Non, je les ai pas lus. Je les ai pas lus du tout. Et là, du coup, ça s'ouvre. Oui. Ça s'active. Ok, et là, ça s'ouvre. J'espère que ça vaut le coup, hein. Ok, c'est terrifiant. Et qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre délire, les gars? J'ai peut-être fait une mauvaise action, là. J'ai fait une mauvaise action, mais j'ai pas fait exprès. The fuck? Et j'ai récupéré des piles. Mais à quoi ça sert? C'est vous là les gars qui faites des expériences cheloues? On va devoir discuter, hein. Ah ouais, merde, ils sont partis. Ok. J'imagine que les piles, ce sera peut-être important pour la suite. Et maintenant que je suis là... il m'a parlé d'une île qui était par ici, là-bas. Mais j'ai pas de bateau dans le coin. À moins que je puisse traverser comme ça, comme un connard, avec la glace. Oula. Oh la violence! Ok. Ok, il y avait une barque là en fait. Ok, on va save, tu sais quoi? On va save. Hein. Du coup, le type, il m'a parlé d'une cache. Et là, ça devrait être tout droit. Ah, mais il y a putain de crabe. Ok, tout va bien, tout va bien. Ça manque peut-être d'un petit voyage rapide, mais bon, ça casserait peut-être la dynamique du jeu, un voyage rapide. Alors, du coup, c'était là. Ouais, je suis en plein dessus. Ça. Oula. Oula, oula. Bon, je peux lui ramener cette poupée à la limite à la gamine. En vrai. Je vois flou.
Alors, 12 patients, 8 avec syndrome aigu d'irradiation, phase 3. Pronostic défavorable. Il ne reste que 32 fioles d'ampicilline et 40 fioles de tramadol. 5 nouveaux patients en 3 jours, tous avec SAI. Plus 2 cas mortels, je n'ai rien pu faire. Au moins, j'ai du tramadol pour les cas les plus graves. Pas de nouveaux patients, tout le monde est là. 7 cas mortels en 3 jours, la terre est trop dure. Je les mets dans la cabane. Je n'ai plus d'ampicilline, alors je leur donne juste de la solution physio en intraveineuse. Ils disent qu'ils se sentent mieux. 6 cas mortels de plus, ils sont tous au courant de tout. Mais continue à me remercier, il ne reste plus que 2 doses de tramadol. Je vais les mettre dans l'intraveineuse de Varia, elle est en phase 4 et souffre depuis longtemps. Depuis plus longtemps que les autres, sans jamais se plaindre, je n'en peux plus. Nous ne sommes plus que 3, nous avons discuté toute la nuit, ça nous change les idées. Les ulcérations sont très douloureuses et je ne sais pas comment Varia a pu supporter ça. En tout cas, il n'y en a plus pour très longtemps. Il n'y en a plus pour longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi, je fais mon possible, il est temps. J'ai fait tout mon possible, il est temps. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à savoir ce qui se passe. Je suis en train de mourir ? C'est les radiations ? Je suis en train de claquer en fait. Ok, ça m'irradie quoi. Il est déjà minuit 48, la vache. Il est déjà minuit 48, on va peut-être s'arrêter là. Je vais peut-être save. Parce qu'il est tard, il est tard.